vas-y, je relance la rediff. Alors, qu'est-ce qu'on entend là? Ah, c'est le son du jeu, peut-être qu'on entend. Hop, je relance la rediff. Vite fait. Continuer. Et tu vois, le problème, c'est que. Alors, à moins que ça m'ait à ramener directement chez moi. Parce que tu sais, en fait, je suis sorti du restaurant. Je suis sorti du restaurant et là, il y a eu un espèce de temps de chargement. Et c'est là que ça a planté. Donc, peut-être qu'il avait chargé le fait que j'allais retourner chez moi. Donc, du coup, je suis peut-être de retour chez moi. Parce que tu vois, il y a la citrouille que j'avais laissée hier. Maintenant, il y en a deux. Elle se démultiplie. Donc, c'est plutôt pas mal, ça. Voilà, tout a rien n'a changé. Santé, énergie à fond. Blablabla. Ça, c'est bon. Ouais, non, rien n'a changé. Donc, je pense en fait qu'il a. Ben, j'ai eu du bol. Oh, ça, c'est très effrayant que la porte qui s'ouvre comme ça, je trouve. Oh! Toé! Ou To. Je sais pas comment je suis censé t'appeler. Happy Humble Burger Farm! Hé! Bon, vous êtes prévenus, hein. Si jamais deuxième blue screen, j'arrêterai le live pour ce soir. Hein. Je le relancerai pas. Je vous préviendrai du coup dans le chat comme j'ai fait tout à l'heure. Mais je le relancerai pas. Bon, on va partir travailler directement. Je crois, hein. La nuit est passée, je considère qu'on a dormi et qu'on repart pour une nouvelle journée normalement, c'est ça. Et là, on ne sait pas vraiment. Ah, il part au boulot! Mais viens, on fait la route ensemble. Mais marche sur les bancs, bien sûr. J'arriverai au boulot avant toi, mec. Sois pas deg. Merci LGT Pika Dark pour les 8 mois de resub. Bon, désolé, hein, le chat, vraiment, j'imagine que ça doit être très agaçant pour vous. Vous imaginez pas à quel point c'est agaçant, encore plus pour moi, d'avoir le PC qui plante sous mes yeux là et de me dire, ah oh, putain, allez, ça m'a niqué la rediff. Je vais pas avoir une rediffusion complète. Je vais peut-être pas pouvoir finir la fin du stream ou je sais pas quoi. Donc, t'as capté. Ça va, je suis fluide? Oui, ça va, c'est bon, c'est bon. Merci Kirazoldik. Merci pour les 2 mois de resub. Alors, hop. Hop, toi t'es déjà au boulot, et pourtant j'avais couru en premier. Hop. Tu peux pas allumer les appareils que sur ta période de travail. Est-ce que j'ai l'heure quelque part sous les yeux? Il y a une horloge quelque part? Temps restant, ok, oula. Ok, j'ai rien oublié, on est d'accord. Hein. Les clients devraient pas tarder à arriver. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert depuis? Non, il n'y a rien qui a changé, on est toujours... Le patron m'a pas appelé. Oui, bonjour. Ah, c'est pour dire qu'un client rentre, cette petite musique. Ou peut-être que je vais refaire exactement la même journée que tout à l'heure. Bonjour, bonjour. Enchanté, que voulez-vous? Un fantastique foul sandwich. C'est quoi le foul? C'est le poulet, hein? Le foul. Voilà. Le foul. Hop. Allez, on va te faire ça bien. Et tu veux... Il n'y a pas un truc que tu veux pas dans ton sandwich des fois? Non, c'est bon. Donc on va te mettre la totale. Hop. 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 Oh, c'était très bizarre. Hein. J'ai pas trop beaucoup aimé ça. Pas encore bon, bah, faut attendre que ça cuise. Hein. Je peux vous prendre deux commandes à la fois si vous voulez. Hein. Je peux gérer. Hein. Pas de problème. Hop, hop, hop. Tiens, c'est pour toi, cadeau. Alors, que voulez-vous? Un porc sandwich. Allez, j'ai du porc sur moi, parfait. Hop, ça. Et tu veux... Tu m'as pas demandé d'enlever quoi que ce soit en particulier, j'ai l'impression. Hop là. Mince. Non, c'est bon. Tiens, je viens de capter que ça m'a rouvert Discord, mais je l'ai pas remis sur le channel des modos, au cas où ils ont quelque chose à me dire d'important. Je vais faire ça de suite. Hop, je le rouvre ici. Ok, urgence Twitch, j'y suis, c'est bon. Allez, dès que c'est prêt.
Ouais, je crois que le jeu a reset le premier jour, hein. Malheureusement. Donc il faut se retaper ça. Voilà, c'est pour toi. Que voulez-vous à manger? Un foul sans oignon. Donc là, c'est du poulet qu'il te faut. En vrai, j'aime bien le jeu. Ah bah, lui aussi, il a l'air de bien aimer le jeu. Hop, très bien, tac, tac. Sans oignon, tu m'as dit. Hop, hop. Et hop, je me baladerai toute la journée avec mon steak à la main, c'est trop bien. Hop, bah c'est ça, plus qu'à attendre que le... Je peux prendre d'autres comptes, y a pas un mec là-bas qui veut commander? Personne veut commander? Moi, je suis prêt, hein. Je suis prêt à gérer plusieurs commandes si vous voulez. De toute façon, on est obligé d'attendre que ça cuise. Hop là. Et là, on entend comme quelqu'un qui tape à une porte, ce qui met pas très à l'aise. Allez, c'est bon pour vous. C'est le bruit d'une clochette de... Une cloche de vache qu'on entend. Tu veux pas un royal des fois, hein? Tu veux un foul et tu veux pas de fromage? Oh, je tâcherai de pas juger, mais quand même. Pas de fromage, c'est dommage. Allez. Pourquoi j'ai... Ah, il est avarié dans ma main. Hop, ça dégage. Hop, je me laverai pas les mains. Désolé. Hop, 2... 3... 4... Et 5, hop. On ferme ça. Il te faut des protéines cuites. Ah exactement, j'avais oublié ça. Ça va toi? Il reste encore 1 minute 44. Ça va, on va pouvoir avoir le temps d'en faire encore deux. On gère en vrai là. On gère mieux que l'autre premier jour. Hein. Hop, tiens. Clac, clac, clac. Hop, allez, bonne app, casse-toi. Merci, mais non merci, au revoir. Alors fais-moi rire, tu veux quoi? Un porc, juste un porc. Hop là, le petit porc. Hop là, parfait. Et tu veux la totale à l'intérieur de la salade. Des cornichons. Tu sais que je le sens arriver le blue screen. Là, 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 il va pas tarder. Hop, un oignon. Hop, une tomate. Le son du jeu est très faible. Oh. Et pourtant, je l'ai pas du tout baissé, le son du jeu, depuis tout à l'heure. Désolé, j'avais pas vu. Reste encore moins d'une minute. Tout dépendra de la cuisson du steak. Et je lirai tes messages après zone, du coup, après le live. Allez, est-ce qu'on peut s'en faire un dernier en 40 secondes? J'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Happy Deluxe, allez. Ouais, j'y crois pas trop. En 30 secondes que la viande cuise. Non, 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 j'y crois pas trop, moi. Si la viande cuisait plus vite, pourquoi pas? Mais là, ça passera pas. Il reste 11 secondes, 10, 9. Non, c'est un peu mort. C'est un peu mort. C'est un peu mort. J'ai fini ma journée. Ah, c'est dommage. Le steak était pas encore cuit. Ah, c'est dommage. Ah, de toute façon, le four ne marche plus. Ça ne cuit plus. Donc la viande, ça s'en va. Tout ça, on peut pas le jeter. Hop, ça, je jette. Et ça, je peux pas le récupérer. Hein. Eh ben, tant pis. Ok. Alors maintenant, mesdames et messieurs, ça va être le moment de non-retour. On va recharger la zone qui nous a fait bugger et planter le PC. Donc, ok, juste avant, je lis des subs, si jamais ça plante, au moins je les aurais lus. Merci Alicia Ichigo pour les 4 mois de resub, merci Jenna Green pour les 2 mois de resub, et merci Elia Kerman pour les 2 mois de resub. Du coup, si vous me voyez disparaître, désolé, c'est le blue screen sûrement, et je relancerai pas le stream du coup. Bonne soirée peut-être. J'ai peut-être oublié de faire un truc. J'ai peut-être oublié de faire un truc, attends. J'ai peut-être oublié de faire un truc. J'ai oublié de faire quoi? Les grilles sont éteintes.
Ça c'est éteint. Non, il m'a juste dit rentre chez moi. C'est par là-bas. Attendez, parce qu'on n'est pas encore à la zone de chargement. Ah! Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ah d'accord, ah oui, il faut se retaper tout le chemin. Moi, je croyais qu'on était téléporté direct à la maison. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Pour l'instant, ouais, ça va. Mais je crois pas que ça avait un lien avec le temps de chargement. J'ai cru que la zone de chargement était juste devant la porte, mais en fait, t'as bien vu qu'il fallait marcher plus. Donc ça a juste blue screen à un moment complètement random, en fait. Donc ça veut dire que ça peut arriver à tout moment. Genre, ça peut blue screen maintenant. Ou alors, maintenant. Ou alors, maintenant. Ou alors, maintenant. Ou alors, maintenant. Fais chier. Fais chier. Ou alors maintenant. Il y avait de l'argent encore? Oui, c'est bon. Enfin, non, c'est bon, il n'y en a plus, je veux dire. Ou alors maintenant. Moi, j'habite au 5, je crois. Allez, bonne nuit. Hein. Donc, du coup, je vais énergie et santé. La douche, c'est la santé, c'est ça? Et l'énergie, c'est le dodo. Ah non, énergie, c'est la douche aussi, d'accord. Ok, pam. Non, 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 par contre, la porte fermée. Hein. Ah oui, voilà. Ok, le flip. Ok, et là, on va dormir. Peut-être le blue screen maintenant. On blue screen pas, nous. Allez au travail. Et donc, tu m'as donné une de plus. Merci beaucoup. Toujours pas de sac à dos. Il y avait une histoire hein, de si t'avais un sac à dos, je sais pas quoi, tu pouvais obtenir plus d'objets sur toi. Cherche un autre accès ou un loquet. Hey! Tu as trouvé un jeton, utilise-le pour améliorer le restaurant. Super. Je crois. Tu pisses? Tu fais le pipi, c'est ça? Je comprends. Il n'y a pas encore un petit coup là, non? Ok. On a réussi à avoir pas mal de thunes. Avec notre première journée de travail, je trouve. Comparé à avant que ça blue screen. Merci Mister Square 07 pour les 11 mois de resub. Il y a quelqu'un qui a chié devant ma porte, c'est dégueulasse. Mais enfin. Bon courage pour ton bac demain. Putain, il me court après. Tellement en stress que le PC plante, que le PC me lâche là. S'il faut, il va tenir jusqu'à la fin de la soirée. Hein. J'ai plus peur du blue screen que du jeu, hein, tu te rends compte. Tous les rats du King's Comfort ont déménagé pour s'installer chez Happy Humble Burger Farm. Nickel. Oh, énergie! J'ai pas assez dormi. Aujourd'hui tu vas te régaler, non seulement tu vas être en poste à la friteuse, préparer, tu vas pouvoir aussi faire des boissons, des milkshakes en utilisant les deux distributeurs. Ça va toi? Oh wow 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 wow. Prends un sac et verse-le dans la friteuse, ou prends un gobelet, glisse-le sous le la canule. Tout est presque automatisé. Ok d'accord, mais la lumière. La lumière n'est pas allumée. Où est-ce qu'on allume la lumière? Oh là-bas? Ah d'accord. Ah mais il y avait des trucs en plus à activer depuis le début que j'avais pas capté en fait. Ah il faut d'abord que j'aille ouvrir la porte. Mais attends, il fallait s'en souvenir aussi. C'est pas logique. Oh ça n'a rien de logique enfin. Tout de même. Alors c'est quoi cette histoire? Donc je prends un gobelet, je le mets là. Ou alors... La friteuse, qui est allumée d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui va arriver. Mais je sais pas où sont les bacs pour les frites et tout ça. Oh putain, je sais pas ce que je dois faire.
Y a des frites là-dedans. Ah oui, frites et frites et nuggets, c'est ça, c'est le les cookies, tout ça. Oh là. Ok. Oh, j'ai une première commande. Oh putain. Foul sandwich avec pâte de cheese. C'est quoi le foul déjà? C'est le chicken. Ils auraient pu écrire chicken sans déconner. T'avais un job. Et après c'est quoi? Oh là là, il y a tellement de trucs. Alors. Il m'a dit pas de fromage, c'est ça? No cheese. J'ai tellement galéré à comprendre comment fonctionnent les machines à côté. Hop. Merde. Deux soft drinks. C'est quoi les soft... C'est ça les soft drinks? Non, c'est un shake. Tu m'as pas demandé de shake des fois. Merde. Oh, c'est trop chiant cette poubelle qui fonctionne pas. On recommence. Les soft drinks. Ah merde, c'était là. Là, ok. Soft. Je sais pas si on peut faire le choix quelque part. Hein. Et de une... Hop, le sandwich. Ici mis, oui, ok. Soft drink, ok, j'en ai deux, et un salmon nuggets. Il me reste pas beaucoup de temps. Je sais pas. Je sais pas, il me reste 14 secondes, j'ai perdu. Est-ce que vous pouvez me laisser un petit peu plus de temps, madame la cliente, s'il vous plaît? S'il vous plaît, 1 minute 30, merci beaucoup, c'est gentil. Vous savez comment on fait? S'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un sait comment on... Salmon nuggets. Mais il avait pas dit on fout tout dans la friteuse? Mais c'est éteint? Mais attends, pourquoi c'est éteint? Mais où est mon truc de... Et il est de l'autre côté. Ah ah! Eh ben dis donc. Et mon sac est toujours bon, hein. C'est toujours la même commande, Salmon Nuggets. En fait, ça, il faudrait que j'en mette plein, plusieurs dès le début, en fait. Je crois. J'en fous là. Non, je peux pas. Mais pourquoi? Ah, mais c'est... Oh, c'est mal... Oh, c'est mal fait. Je comprends pas bien comment... Tu vois, je clique, je spam. Ça veut pas passer. Ok. Est-ce que c'est cuit? Il me reste 10 secondes. Oh, mais c'est une catastrophe. J'arrive pas à les prendre, en fait. Mais peut-être qu'il est bugué. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, ça va m'éteindre la lumière maintenant. L'interrupteur est coincé, utilise la lampe torche. Mais enfin. Ah, et là, c'est bon, ok. Et ça, ah, je le fous là-dedans, d'accord, ok. Et y a pas des petits sacs? Ok, d'accord, ça se fait automatiquement. Ok, c'est toujours allumé. Tu veux... Des nuggets, ouais, ça je peux te le faire. Les nuggets, ils sont là. Ça me les met. Je clique comme ça. Ok. Ça j'ouvre. Donc je prends des nuggets. Mais pousse-toi, putain, tu fous rien. Tu m'aides tellement pas. Tu veux des nuggets, tu veux des frites aussi et une boisson. Hop. Ok, des frites, je vais te les chercher tout de suite. J'ai l'impression que je cours moins vite qu'avant. Pousse-toi. Hop, ça c'est bon. La boisson là-bas. J'aurais dû mettre la viande à cuire. J'ai pas regardé qu'est-ce que c'était que tu voulais. Tu veux un fantastique, un chicken mais sans cornichon, c'est ça? Il reste encore 2 minutes 30. 1 minute 30? 1 minute 30, ok.
Un chicken, c'est ça, sans cornichons. Là, des frites. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? On arrive à la fin. Oh le flip. Ah non, c'est mon énergie. Oh, j'ai mal, il faut que j'aille dormir là. Faut que j'aille me coucher ce soir. Tu peux te dépêcher s'il te plaît? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et blue screen pas aussi, hein, tant qu'on y est. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Merde. J'ai oublié. Sans cornichon, sans pickle, ça m'a dit. Il me reste 24 jours, secondes de boulot. Ouais, j'aurai jamais le temps de te faire ton truc. Happy Deluxe. Ouais, désolé mec, j'aurai pas le temps de te faire ton... J'ai tellement fait d'infractions aujourd'hui. On va se faire tuer. Oh non. Oh non. Et à deux doigts d'aller dans la chambre froide, m'enfermer là où il y a le trou et sauter dans le trou avec un dessin de bombe. En fait. Hein. On est foutu. Oh non. Tu as fini ta journée de travail, bravo. Ah, ça s'est bien passé, tu trouves, hein? Vraiment? Tu m'en veux pas? Bon bah alors je... Bah je... Trop lent pour ouvrir une commande de la salle. Résumé de la journée, tu as servi un total de 2 clients pour faire ce qu'on t'a demandé, t'as fallu recevoir pas moins d'une fraction, tu vois. Tu n'as pas réussi aujourd'hui, réessaye demain. Bon, si c'est que réessaye demain, ça devrait aller. Le blue screen! Merci Mister Square. Pour les 11 mois de resub. Mais je t'avais lu, merci Enzo Lalou pour le Prime, pour la première fois de ta vie. Merci Obitoucha12 qui a sub en Prime aussi pour la première fois de sa vie. Merci Sofiane pour les 7 mois de resub. Merci beaucoup. Bon, il est où le jeu d'horreur là, le jumpscare et tout ça? Attends, je suis où là? Merde. Ah, mais il y a un nouveau chemin qu'on n'avait jamais vu là. Peut-être que la route va être barrée là-bas. Par contre, j'ai l'air crevé. Oh là là. Comment je fais pour dormir plus vite? Ou alors c'est sous la douche, peut-être. Il faut que je reste sous la douche plus longtemps. Mais je sais pas pourquoi j'ai perdu autant d'énergie. Peut-être parce que je cours partout. Il faudrait que j'économise... Je sais pas. Le truc le plus long du jeu, c'est d'aller au travail et de revenir, en fait, j'ai l'impression. C'est tellement lent. En plus tout ça pour ça. Puis après monter les escaliers. Qu'est-ce qu'un hamburger? Rien qu'un empilement d'ingrédients douteux. Ah mais j'ai la lampe torche à allumer. Peut-être que c'est ça qui me consomme quelque chose. Eh, il n'y avait pas autant de trucs comme ça sur ma... J'ai coupé le son, peut-être que ça me fatigue d'entendre autant de sons. Je vais me laver un coup. Voilà, là ça me recharge mon énergie. Mais je sais pas comment j'ai fait pour le perdre aussi vite, je sais pas pourquoi. Merci Obitoucha12 qui a sub en Prime pour la première fois de sa vie, merci beaucoup. Mais je l'avais lu ou pas? Je l'avais pas lu, non? Merci. Je sais plus si tu l'avais lu ou pas. Hop. Et une de plus, j'adore dormir avec des... Non, tombe pas là enfin. Non, il faut que tu te mettes bien. Mets-toi bien. Voilà, là t'es bien. Allez, au dodo. C'est la chef des amis et tu la connais bien, elle revient enfin pour... Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Hop, on est là, on va au travail. Ok, on va pas tarder. On y va direct. Allez, moi j'y serai en premier. First. First au boulot. Toujours pas de blue screen. Avant j'étais cuistot comme toi, puis un hamburger m'a écrasé le genou. Grand bruit. J'ignore ce que c'était, mais je te conseille de rentrer chez toi. Ne va surtout pas voir ce qui a causé ce bruit. Laisse faire les pros. La police et les pompiers de New Machin vont s'en charger. Tu n'as aucune raison d'aller voir quelle est la cause du problème. Tu sais que je vais le faire. Attends qu'on t'ait trouvé un remplaçant. Il y a du bruit quelque part, mais... Donc on a accès au musée maintenant. Endroit où on pouvait pas aller avant.
Et là... Je sais pas ce que c'est, une espèce de... un bar ou une supérette. Et là, une pharmacie. On peut rentrer à l'intérieur pour commander des trucs, j'ai l'impression. Ok, et on... Et j'ai déjà presque plus d'énergie, mais enfin. C'est fou, ça. Les hamburgers ont la mauvaise habitude de devenir avariés quand... Ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai. Tu sais quoi? Le four fonctionne de nouveau. Du coup, cookies et tourte chaude ont été ajoutés au menu. Prends-les sur le présentoir, jette-les dans le four et attends qu'ils sonnent pour te dire quand c'est prêt. Tu voudrais quand même pas que je fasse ton travail pour toi. Tu sais quoi? Avant que les gens arrivent, moi je vais mettre ça. Hein. Des frites et des nuggets à cuire. Hein. Ah non, je peux pas parce que les fours sont pas allumés, c'est vrai. Et après, il m'a dit quoi? C'est ça. Cookie et autre chose. Et en gros, cookie et autre chose, c'est là. Cookie et tourte. Et je les mets là-dedans et quand c'est prêt, ça me le dira. Et puis voilà, et puis voilà. D'accord. Bon, bah, j'espère que cette journée va bien se passer. On va vite allumer les fours. Très compliqué à placer les trucs à l'intérieur, je sais pas pourquoi. Merde. Vite avant qu'un client arrive. Je peux aller m'en chercher deux autres, je pense. S'il te plaît. Merci. Bon, je suis prêt, hein, normalement. Hop. On peut remettre le pain ici. On est plutôt bon surtout. Bonjour, vous voulez quoi? Alors, tu veux un cookie, des frites et du porc. Cookie, frites, porc. Alors, c'est le porc, ça va là-bas. Hop, ah, je suis con, je peux en prendre plusieurs. Cookie, frites. Cookie. Hop, donc cookie, si j'ai bien compris, c'est ici. Hein. C'est peut-être pas là. Hein. Merde, c'est peut-être pas là. Peut-être que. Il faut l'allumer, le machin, je crois. Oh oh, ça y est, je vais avoir des problèmes, je le sens. Quelqu'un sait que où est-ce que je dois mettre les cookies et comment faire? Par hasard, par le plus grand des hasards, évidemment, je demande comme ça. C'est moi qui veux aller super vite. Hop là, c'est bon. C'est bon ou pas la viande là, tu crois? Oui, c'est bon, elle est dorée. Cookies, les frites. Merde. Les frites. Oh putain, pas de tomates dans le sandwich. Bah vas-y, c'est bon, ta commande elle est finie là, tiens. Allez, régale-toi mec. Allez, dégage. J'avais pas vu. Ah, il faut recommencer. Putain, j'ai tout fait pour aller super vite, j'ai tout loupé. Oh, c'est trop frustrant, il me reste combien? 1 minute 47. Oh non. Donc je recommence. Sérieux? Tu dois allumer les appareils. Ok. Ok. Ah mais d'accord parce que les attends. Et là il a allumé lui maintenant le truc du cookie, j'ai l'impression. Ah, il fallait savoir. La frite j'ai donné, il veut un cookie, un shake. Toujours pas cuit. C'est quoi qu'il veut pas? Tomate. Tout sauf tomate. Qui est toi? Qui est? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Oh
J'ai pas rêvé, hein. J'ai pas rêvé de ce qui vient de se passer là. J'ai entendu la même chose que vous. Vraiment? Genre c'est drôle? Tu veux des frites et... ok. Tu veux des frites. Et une tourte. Alors je sais pas ce que j'ai fait comme erreur. La porte est ouverte. Hop. Hop là. La frite je l'ai mise normalement. Et on attend la tourte. Je sais pas beaucoup combien de temps. D'ailleurs je vais remettre des frites vite fait. Parce qu'on va plus en avoir. Les frites c'est ici. J'arrive pas à les placer. J'arrive pas à les placer. J'arrive à les placer, c'est bon. On attend que ce soit cuit. Je te l'ai mise la frite normalement. Ah, ça a sonné, c'est bon. Voilà, il est content. Il me reste 2 minutes de temps. Ouais, je devrais pouvoir le faire. Tu veux quoi? Tu veux un nuggets, un milkshake et une boisson. La boisson, elle est ici. Hop, je suis bloqué. Le nuggets, il est ici. Hop, et la boisson, le ouais, milkshake, il est ici. Voilà. Allez, régale-toi. On s'en sort bien, là. Mauvaise quantité de produits livrés à un client de la salle. Oui, je vais t'égourer, c'est vrai. Un cookie, un hot pie et un... une boisson. Cookie, hot pie. Allez, les deux. Je sais pas si on va avoir le temps. Cookie, hot pie. Je crois pas, hein, pour le temps. Et une boisson. Ok, il reste combien de temps? Une minute. Ah si, en fait, on va avoir le temps. Carrément. On attend. Je parle pas du mec qui s'appelle. On attend. C'est bon? Allez, fin de boulot pour moi. Il me reste 30 secondes. J'ai fait 4 commandes. Vous voulez quoi? Cookie, ouais. Eh ben, il y a un autre restaurant qui est ouvert là-bas, franchement. Oh, il y a eu un énorme bruit là. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Je peux plus courir, hein. Tu as fini ta journée de travail, bravo. Ouais, c'est quand même très bizarre. Je peux plus courir, non. Mais du coup, je comprends pas c'est quoi l'histoire de... pour économiser de la vitesse, en fait. Ah oui, c'est... Ah, pardon, il m'avait peur. Mais putain. Mais faut pas sauter sur... Mais qu'est-ce que c'est? Oh, la virilité du streamer, s'il te plaît. Je crois qu'il y a un énorme décalage entre le chat, ce que vous voyez et ce que je vois. Parce que là, vous n'avez pas encore réagi au streamer de votre côté. Ça y est, vous venez à l'instant de réagir au streamer, ça y est. Il y a un gros décalage entre vous et moi, j'ai l'impression. Oui, je sais que je perds mon énergie. Donc il y a des gens, ils peuvent rentrer. Mais il doit y avoir un système de fermer à clé la boutique derrière, je pense, ou un truc comme ça. Pour empêcher les gens de rentrer, les gens tout nus de rentrer dans le resto. Putain, il faut se taper toute la route à pied. Il doit y avoir un... Je sais pas comment. Ah ! Il y a un barrage maintenant, tiens. Ou plutôt, c'est une grue qui est tombée.
passes par là, toi? Laissez-moi deux petites secondes. Je crois que c'est quand tu cours, tu perds ton énergie. Eh bien, sûrement, mais bon, je vais pas marcher à cette vitesse-là dans le resto. Ça va être giga lent, giga long, giga ennuyant. Y a pas de décalage? Ah ouais, y a pas de décalage. Alors du coup, si je vous demande attention, quelle est la couleur du ciel? Bleu. Y a quand même un beau décalage. Il y a eu un petit moment. Y a un petit décalage. Je vais rafraîchir ma page, ça doit venir de moi. Bon, j'ai rafraîchi le chat. Alors j'acceptais bleu, mais j'acceptais ouais, gris aussi si jamais vous croyez que je parlais du ciel dans le jeu, évidemment. Ouais, je suis en train de courir. Hein. Si je marche, c'est cette vitesse-là. C'est long. Qui a du bleu IRL? Moi, j'ai du bleu IRL. Dans le sud de la France, on a du bleu IRL. Un très beau bleu, des fois, même. Il est KO, le mec. Il en peut plus. Il était là, ce tapis, avant? Ça me dit rien. Allez, stop, là, t'es... D'ailleurs, je t'ai jamais dit... Je t'avais coupé le son, tu te rappelles? Très chiant ce bruit. On va peut-être reprendre une petite touche quand même parce que je sens que c'était pas assez. Ok. Bon là je vais arrêter de courir du coup. Pas besoin de courir chez soi. Pas de nouvelles citrouilles? Ok, d'accord. Allez, au dodo, dors bien quand même. Dors beaucoup, s'il te plaît. Est-ce que t'as besoin de toutes tes forces pour aller travailler, là? Peut-être qu'il faut que je me douche avant de partir, aussi. Merde. Je suis con. Aïe. Je vais éviter de courir avant d'être au resto. J'ai l'impression qu'on prend pas en compte le temps que je vais pour aller au resto, en fait. Ah mais attends, je peux acheter des barres protéinées? La version XL de la barre Humble pour les grosses fins, tu ne risques pas de la finir d'une seule bouchée au délicieux goût de carottes et de petits pois. Ah. Conserve de luxe. Tous tes goûts préférés mis en boîte afin de les conserver plus longtemps. Périmé. Charlie le poulet. Une figurine de Charlie. Une figurine du poisson. Une figurine du cochon. Une figurine du fermier. Parfait quand on a un petit creux. Bon, je crois que c'est l'histoire du petit creux, non? Je peux en prendre un. Et je vais la garder sur moi. Tant pis, ça me prend une place dans mon inventaire, mais au moins je pourrais la manger si j'ai un peu faim. Je crois, j'espère. Ah non, on court pas, c'est vrai. Ça klaxonne. Hein. Mais elle est énorme cette barre, du coup. Très très grosse. Le bus, il y a le bus. Lui il va à pied. Il m'avait dit quoi sur le bus? Que le bus il n'existait pas, il était cassé non? Tu peux prendre le bus normalement? T'es sûr? C'est vrai que ça me fatiguerait moins de prendre le bus. Au moins peut-être au retour. Vous êtes chiant. Critiquez pas ma grosse barre s'il vous plaît, laissez-la tranquille. Elle est très bien là où elle est. La touchez pas.
Sur ce temps de bruit, des fois je me dis c'est peut-être le bus. Et là-bas on sait pas ce qui construit. Ah mais la barrière est ouverte. Oh attends, mais il y a du feu et tout. Oh mais j'imagine qu'il faut surtout pas aller là-bas en fait. C'est vrai que ça commence à devenir un petit peu redondant le coup de... d'aller à l'usine pour faire à bouffer. Est-ce que je fais une erreur en allant là, tu crois? Oh putain, on peut y aller! Oh putain, on peut y aller, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, attends, y'a quoi là en face? Y'a un énorme poulpe bleu. Attends, c'est quoi ça? Ah, c'est une bâche. Ce bloc diffuse du courant électrique à divers objets. Où les fils peuvent-ils bien aller? D'accord, donc l'idée c'est de suivre tous les fils. Oh, c'est bizarre ce que je suis en train de voir là. Évidemment. Ouh, l'ambiance du jeu qui devient lourde. Attention, doit être tourné. En gros, je m'électrocute si je touche à... Ah merde! Ok, je suis électrocuté, j'ai perdu 2 de santé. C'est génial ça! Y'a des pipis ici? Psst. Pipi Minecraft. Moi, je suis pas sûr que c'était une très bonne idée de venir ici, mais j'aime bien le fait que le jeu ait rajouté des trucs en arrière-plan comme ça. Ou alors, juste, il fallait déjà depuis la nuit dernière ne pas les travailler. Et... Attends, bah peut-être qu'il faut que je touche du bois. Faut que je sois sur du bois pour pas me faire électrocuter. Ah ça c'est con. Eh, hey, je touchais pas le sol, monsieur. Enfin. Si je touche pas le sol, c'est bon. Il y a un bruit de cochon, ce serait l'animatronique cochon là qu'on voit depuis le début. Bon, je comprends pas. J'ai perdu de la santé. Comment on récupère de la santé? Faut que je retourne chez moi, je retourne me laver. Yes, t'inquiète Moon, j'ai lu ton DM. Ah, regarde. Regarde-moi ça. Comment... Ah, il y en a plein. Attends, vraiment? Comment on les consomme? Comment on les consomme? Ah ah. Ah, en fait, j'imagine qu'il faut travailler beaucoup pour avoir assez d'argent pour s'acheter de la vie, pour ensuite pouvoir allumer tous les disjoncteurs sans mourir. Il doit y avoir une idée comme ça, une connerie. Je suis pas sûr de comprendre ce que je vois là. Oui, je l'ai allumé, mais la couleur violette là, il va où? On va pas là-dedans. Non mais y a un souci là. Ah mais y a 2 bleus. Il va y avoir une couleur qui bug, je pense. On va suivre le rouge. Très bien. On va suivre le... Bah l'autre bleu maintenant. Qui va uniquement là. Bon, d'accord. On va suivre le vert. Il restera le jaune après. Utilise les indices offerts par l'environnement pour trouver le moyen de résoudre le problème. Oui, mais non, mais ce... Ça va aller. Ah! Il m'a pas fait mal, tiens, celui-là. Il doit y avoir une façon de le faire proprement, je pense. Wow. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a la lumière maintenant. Ah, mais il y a un poste! Si tu me montrais ce que tu sais faire derrière les fourneaux. Merde, j'ai pas fait exprès. Je sens la douille arriver là. Je sens le monstre là qui va venir nous faire un énorme jumpscare. Ah, j'ai eu un truc sur le pied là. Je veux faire le plein de bouffe. Parce que je le sens pas. Ah mais non, j'aurai pas la place parce qu'il faut que je fasse des... Il va falloir que je fasse des burgers. Oh la couille. Tiens, je laisse ça là.
C'est quoi, j'en laisse à des endroits stratégiques. Donc là j'ai tout allumé, hein. On est d'accord. Non, j'ai pas allumé le jaune. Je suis pas occupé du jaune. Le jaune, je pouvais pas y... Je pouvais y accéder en faisant le tour peut-être. Ah, le jaune est à l'intérieur, j'avais pas capté. Oh. Ce que j'ai vu dans les souterrains est proprement terrifiant. Il n'y a pas que nos expériences, quelque chose vit là-dessous. Dès mon extraction, je n'aurai pas d'autre choix que de demander à Zane de prendre une décision radicale. Il faut mettre un terme définitif et immédiat à l'initiative. Nous devons impérativement fermer le complexe souterrain. Grimm est quelqu'un de bien, mais je crains que lui aussi ne contemple les ténèbres depuis trop longtemps. Et qu'il n'ait fini par oublier pour quelles raisons nous avons fait ceci. Je n'ai plus mal de l'électricité. Bon, la lumière est active partout là. Heureusement j'ai flashlight à l'infini. Bon, il m'a dit mets-toi au fourneau, montre-nous ce que tu sais faire. Ça c'est pour le grill, enfin c'est pour les frites. Mais j'ai pas de viande moi. Où est-ce que je peux trouver de la viande? C'est la poubelle ça? Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Je pense que... Je sais pas, je suis pas sûr que j'ai... Ah! C'est quoi? C'est de la viande? C'est un steak? Je suis pas sûr d'avoir à bien allumé tous les générateurs. Hein. Tu dois allumer les appareils, mais... Évidemment. Évidemment, je m'en doute. Je dois allumer les appareils qui me disent si je suis la logique de la cuisine dans laquelle je travaillais. C'est vers là-bas. Eh, il y a des trucs là. Il y a une tonne de barres à côté des générateurs qui te montrent l'ordre dans lequel il faut les activer. Un nombre de barres. Ah merde! Zut. J'avais pas tilté cette histoire. Ah oui? On dit une patte de canard 4. D'accord. Oh, j'avais pas tilté. Ah! C'est un 1 ça. Le 1. Hop. Attends, j'ai reçu un message de seconde, je vais le regarder, ça te dérange pas. J'ai enlevé le wifi. Hop. Désolé. Plup, 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 plup. Oui, donc il y avait un là-bas. Donc ça, je sais pas trop ce que c'est censé représenter, si c'est un numéro. Ou alors c'est des barres, hein. Et donc le 1, c'était deux barres. Donc là 3. 3 barres. Mais alors du coup on a tout fait ou pas? Putain, je suis paumé. Il faut que je trouve l'endroit où il y a une seule barre peut-être. Mais alors ça, je suis censé le prendre comment ça? C'est une seule barre ça? 3 barres? Mais... Après on dirait un 4.
Ah oui, non, mais oui, je suis con. Ah! Donc l'ordre, c'est ça. Éclair plus pâte 1 et blé. J'ai pas souvenir de l'avoir vu celui-là, l'espèce de croix. Donc on recommence par l'éclair. L'éclair, c'est lequel? C'est celui qui était derrière là-bas, je crois. L'éclair. Et lui, il est déjà allumé. Donc en fait, il y a celui-là allumé quelque part. Mais alors... C'est pas ça. Non, ça c'est le 1. Il m'en manque un quelque part que j'ai pas vu. Et attends, et ce câble rose, il vient d'où là? Il vient de là-dessous. Le rouge, c'est celui qui va à l'intérieur. Et c'est normalement le... Ouais, le blé. Le bleu, il n'y en a pas. Enfin, si, on l'a vu. Le vert. Ah, il passe derrière. Mais le vert, c'est celui qui est juste derrière, alors. Oui, c'est celui-là, le vert, on l'a déjà vu. Le jaune, il est derrière. Le blanc. Le blanc est là. Le jaune est derrière ou le jaune est passe dessus? Le jaune passe dessus. Et on a déjà vu aussi. Mais... suis con. Ah, mais il est là! Mais attends, je comprends pas. On les a tous allumés alors. C'est bon. Donc en fait, j'ai juste à allumer maintenant... Oui. On a juste à allumer le four maintenant. Je crois. Oh putain, j'ai plus d'énergie. À courir partout, j'ai plus d'énergie, ça y est. Ah mais non, mais attends. Si je mange ça. Ça aide un petit peu quand même, hein. T'as déjà allumé les deux premiers. D'accord. Il y a ça là-bas qui est allumé, il y a ça là-bas qui est allumé, il y a ça qui est allumé. Ah oui, tu as raison. Tu as raison, il y avait effectivement un ordre à suivre. Effectivement. Donc le 1 qui est là, si je me rappelle bien. Très bien. Et le dernier, le blé, c'est dans là où il y a les steaks. Attends, il y a des zombies, il y a un cochon géant. Oh putain, mais il m'attaque ce con. Oh putain, les zombies. Merde. Mais alors qu'est-ce que je suis censé faire? Je dois partir? Est-ce qu'on peut me dire ce que je suis censé faire? Il y a des zombies un peu partout. Quoi cette horreur? Fais des burgers. La blague, fais des burgers. Qui me dit... Ah, il sort ça de son aisselle. Mais en fait, c'est dégueulasse. Allez, tire. Allez, hop. Je sais pas si on peut les faire exploser de loin, les autres. Il est cuit, le machin, ou pas, là? Attends, c'est allumé ou pas? Est-ce que... Attends. Ça cuit pas. Ça cuit pas! Oh. Ça fait peur ces bruits là! Ça cuit pas! On est d'accord que ça cuit pas! Ah, il me l'a fait péter comme ça! Bien! J'ai qu'à me cacher derrière comme ça moi! Ça cuit peut-être en fait! Ça cuit peut-être en fait! Je sais pas à quoi on voit que le steak est cuit! Je suis dans la merde! Je vois pas trop quand le steak est cuit. Il m'a touché.
faire. Bon, ça a l'air d'être facile à gérer, je pense. Non, personne n'aime la viande crue. Donc le steak n'était pas cuit du tout. Je crois que le... Non, vraiment, je me demande si le four est vraiment allumé. Ah, et lui, il est... Oh ! T'aimes bien ça ? Un bloc de charbon. Mais comment tu le vois qu'il est cuit, ton steak, enfin ? Oh, vraiment, hein ? Et je l'ai esquivé. Oh non, il m'a pété. Oh le con. Tiens, je passe à côté. En fait, c'est ça. Je passe à côté d'eux. Et ils explosent. Et j'ai juste à courir et c'est bon. Ah merde, non, ça c'était mieux. Après, j'ai juste à... Non, non, non. Ma barre. Après, j'ai juste à manger ma barre. Ça me redonne de la vie tranquille, c'est bon. Et là j'ai plus de barre donc il faut que j'en récupère. Ah bah elle est plus là ma barre, elle a dû exploser aussi la pauvre. Et mais en fait il faut pas qu'il tire sur les burgers sinon il me les explose. Je sais pas quand est-ce que c'est bon. Ah ok. Et alors j'en fais quoi? Est-ce que je lui balance sur le gars là-bas? Le cochon? Tu veux un burger? Il s'est régalé. Oh, ça me laisse du temps pour en faire un autre, ça. Oh, ça lui a plu, je crois. Hop. Ok, ok, ok. On va aller chercher de la vie un petit peu. D'où le fait d'avoir économisé de l'argent. Tiens, explose pour voir. Calme-toi. Alors j'ai mis quoi dans le sandwich? J'ai mis juste mis la tomate, fromage, oignon, laitue, cornichon, la viande est cramée malheureusement. Oh putain! Il explose à travers! Tu te rends compte de ce qui se passe? Je me demande si on jouait pas mieux sans... Ouais non, avec la lampe torche c'est mieux. Allez, venez là. Pendant que le steak y cuit, venez ailleurs. Venez à un autre endroit. Je passe à côté. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Vite, vite, avant qu'ils arrivent tous, là. Let's go. Hop, excuse-moi. Tu m'as pas vu. Ils font des bruits affreux. Merde, il m'a touché. C'est pas grave, normalement je peux aller chercher des... Je sais pas où je l'ai foutu ma barre. Ah, je devrais faire cuire le steak pendant ce temps. Attention, parce qu'ils arrivent tous au même endroit là. Il me faut de la vie. Je dépose ça à cuire. Ouais, là il me faut de la vie vite. De la vie vite. De la vie vite. En fait j'avais tout mangé. Hop, je la garde pour plus tard, celle-là. Alors, j'avais fait juste la tomate, hop, le fromage, hop, l'oignon, hop, la salade, hop, le cornichon, le steak est pas cuit. On esquive l'explosion, hop, le steak est cuit, hop, 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 je passe dessus. J'espère que c'est seulement 3. Let's go! Ah, je rentre dedans! Je rentre dedans! Ok, je rentre dedans. Ça me va. Ah, je vois. Ah! Oh. Le modèle Peter est un organisme qui a fusionné avec une animatronique. Pity, le cochon grassouillé, le modèle Peter a une faim dévorante. Après s'être déchaîné dans le complexe pendant plusieurs jours, il a réussi à accéder à un niveau de simulation de Burger Barn en cours de réparation. Vous savez, le jeu d'horreur commence enfin. Hein. Les ouvriers étaient en train de réparer le bâtiment
Mon équipe et moi ont travaillé sur le grand nombre d'IA quand Peter a débarqué. Merci pour les GG. Il a dévoré tous les ouvriers, tous mes chercheurs et aussi plusieurs dizaines d'IA. En vrai, c'était pas très dur à partir du moment où t'as les barres de chocolat à l'arrière, juste derrière, tu pouvais... C'était pas compliqué. J'ai réussi à me cacher dans un placard, mais j'ai entendu les cris de mes amis et collègues alors qu'ils se faisaient tuer. Au bout de quelques heures, j'ai fini par sortir et j'ai découvert Peter ayant fusionné avec le sol. Du coup, j'ai pu m'enfuir, mais tous les autres ont péri ce jour-là. Tous les employés qui ont perdu la vie dans cet incident ont été effacés, tout leur historique au sein de la société supprimé. Leur famille ignore, crée qu'ils travaillent ici maintenant, elles n'auront plus jamais de leurs nouvelles. Paragon doit payer. Paragon. Tu as trouvé une recette rentre chez toi pour la préparer. Le cul. La petite recette là, on va se mettre bien. Par contre, le coup des zombies, j'ai toujours pas bien suivi d'où ça sortait cette histoire. Je m'en reprends un petit pour la route. Voilà, j'en ai deux dans mon sac, c'est déjà pas mal. Alors, est-ce que ça avait un intérêt ou alors c'était une blague à côté ou ça fait partie de l'histoire principale du jeu ou c'est juste un truc, une déconnade en plus pas prévue. Ah oui, il faut que j'aille au travail, je suis pas du tout en retard, vous me dites là. C'est l'histoire principale, ok. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit rentre chez toi faire la recette. Faut que je fasse quoi là? Que j'aille au travail ou j'aille faire la recette en fait? Merci Lexan pour les 1 an de Resub, bon anniversaire. Félicitations. Et merci beaucoup. Merci la Magner qui a sub en Prime pour la première fois de sa vie. Merci Yosedi pour les 2 mois de Resub, merci beaucoup. Go travailler. Tu peux pas faire la recette pour l'instant. Ok, go travailler alors. Merci Lilou Kitsune pour les 230 bits. Et bonne nuit du coup. Bonsoir et bonne nuit en même temps. Quand tu seras chez toi, va sur le balcon. J'ai cru voir un truc briller dans le coin à droite. J'ai cru voir un truc qui, en fait, tu connais le jeu et tu sais qu'il y a un truc. Mais on ira, d'accord. Je sais pas si tu l'as vu, mais tu as un collègue. Oui. Non, pas moi. Hein. Je voulais parler de To. L'autre type qui fait en sorte que notre affaire continue de tourner. Eh bien, il a démissionné. Non, il est là. Si jamais un événement requiert ton attention, tu entendras une alarme s'affichera sur l'écran des événements à côté de la caisse enregistreuse. Tu n'auras que 40 secondes pour t'en occuper, mais c'est plus cassé pour quelqu'un comme toi, pas vrai? Je suis pas sûr de comprendre de quoi tu parles en fait. De quoi il parlait là? Tu dois allumer les appareils. Désolé. C'est quoi cette histoire de 40 secondes là pour faire un truc? Je suis pas sûr. Hein. Allez. Ok. On va en refaire 1 et 2. Avant que les gens arrivent. Allez, mettez-vous. Et il y a vraiment un endroit où je dois cibler le truc. Je comprends pas bien. Hop. Allez. Voilà. Hop, tu sais quoi? Je prépare un truc comme ça. Je prépare ça. Il est pas encore là. Tu sais quoi? Je peux même aller chercher la folie. Hein. Un cookie, un truc comme ça pour plus tard. Hop. Allez. Je vous écoute. Alors, tu veux 2 nuggets. Qui sont... Wow! Le truc du feu! Attends, déjà j'arrête ça. C'est où le truc en anti-incendie là? Parce qu'il y a trop de trucs allumés en même temps. C'est ça l'histoire? Donc tu m'as dit que tu voulais 2 nuggets, hein, si je me rappelle bien. 2 nuggets et un hot pie. Ouh, commence à y avoir du monde. Et il n'y a pas moyen de fermer à clé ici des fois pour que les gens y rentrent pas. Et j'ai pas besoin de ma lampe en fait. Allez, dépêche-toi.
Hot paille. Hop. Hop. Allez. Régale-toi. Hop, nickel. Vas-y, bah, j'écoute votre commande. Un cookie. Oh, bah, c'est parfait. Un cookie, des nuggets. Oh non, mais vous êtes trop chiant, vous là. Vous êtes vraiment trop chiant, les zombies. Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi, enfin? Pourquoi? Mais pourtant, la porte est fermée. Ils viennent du trou, peut-être. Tu veux... Waouh! Il y a une vitre qui a été pétée, là. Waouh, on nous a lancé des pavés. Alors, tu veux un shake, des frites, des nuggets? Shake, frites... Alors, frites et nuggets, frites, nuggets... Pousse-toi. Ça va? Oui, ça va, et toi? Frites, nuggets... Shake, j'aurais dû regarder s'il y avait un truc à faire cuire vite fait ou pas. Et je crois que oui, un fol sans laitue. Ça c'est le chicken. Sans laitue s'il vous plaît. Un truc qui bip là. Sors les poubelles près de la porte de derrière. Tout à... Oh putain. Sors les poubelles près de la porte de derrière. Sors les... Oh. Je les fous tout, moi, les poubelles. Ah, j'ai... Non, merde, c'est là. Merde. Et il va exploser, le restaurant, là, je le sens. Ça marche pas. Ça m'agace. T'as bien vu que j'ai essayé, ça a pas marché. J'abandonne. Ça m'a tout éteint. Alors, je rallume tout. Est-ce qu'il est cuit celui-là? Pas encore. Pas de laitue, tu m'as dit, c'est ça? Pas de laitue. Non, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe encore là? What? J'ai vu quoi là? Mais! Y'a un mec invisible qui court dans mon restaurant! Déjà qu'ils étaient tout nus, maintenant ils sont invisibles et tout nus! C'est très chiant. C'est quand même très frustrant. Ah, parce que c'est pas allumé. Oh. Je m'en sors pas. Je m'en sors pas. Bon, des frites, des nuggets, tout ça, tu l'as. Il y a juste à attendre que ça cuise. Hein. Mais j'y arrive pas, putain. Mais c'est pas vrai! Parce que je fais travailler trop de trucs en même temps, je suis sûr. Il est cuit mon steak? Oh, c'est bon, il est cuit. Et les flammes, ça donnera un petit goût braisé sympa, là. Tiens. Allez, casse-toi. Alors, toi, tu veux hot pie, soft drink. On va d'abord mettre le hot pie. Hot pie. Et clic. Et une petite boisson qui est déjà prête. Je crois que j'ai pas le droit de faire tourner plusieurs trucs en même temps, en fait. Je me dis. Tu crois que c'est tôt? C'est tôt qui sait pas... Non mais ça, c'est pas tôt, ça. Oh, le bâtard! Mais t'es fou! Mais t'es fou, mec! Mec, t'es qui? T'es qui, toi? Où tu vas comme ça? Non mais... Où tu vas comme ça, toi? Oh, je peux pas partir. Oh, le bâtard! Oh, le bâtard! Il est bon ou pas, tu crois? Je sais pas s'il est bon. On va me le dire. Ok. Merde, y'a un truc à faire. Attrape le rat qui traîne dans le restaurant, débarrasse... Y'a un rat? C'est une blague? Oh putain! Et je m'en débarrasse comment? Débarrasse-toi de lui. À la poubelle? Ou dans le four? Ok. Tout fonctionne, c'est bon. Tu veux quoi? Deux frites, un shake. Un shake, c'est bon. Les deux frites, je peux te les faire. Et tu veux un fantastique. C'est un poulet, mais sans je sais pas quoi.
Sans fromage et deux frites. Ça va, mec? Ok, bon, bah là on est plutôt bon. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Fantastic Fall, ouais, c'est bien le... Oh non, mais sans déconner là. Ah non, c'est agaçant. Oh non, c'est vraiment agaçant, les mecs pixelisés là. Arrête! Mais laisse-nous tranquille! Mais. Vous l'avez vu vous aussi? Enfin, je suis pas fou, hein. Quoi? Attrape le rat! Mais c'est pas vrai! Attends, parce que j'ai quand même un stack à placer. Tu as fini ta journée? Non! J'avais une commande à finir! Putain, c'est pas vrai! Et le rat, c'est fini aussi, on s'en fout, tout le monde va se coucher. T'es où? Viens avec moi, toi. Viens avec moi, tu seras mon repas de ce soir. Allez, on y va, on rentre à la maison. Oh, c'est une catastrophe, ce jeu. Ah, c'est une catastrophe! Je m'en sors pas. Merci, le zèbre, pour les 16 mois de resub. Merci, Théana, pour les 6 mois de resub. Merci beaucoup. Eh, il est où, mon rat? Oh, mon petit rat, là! En fait, les barres, c'est ultra cheaté, je me rends compte. C'est ce qu'il nous fallait. Bon, est-ce que c'est moi qui suis pas assez à fond dans le jeu, ou alors c'est pas si effrayant que ça et un peu répétitif et plus stressant parce que t'as envie de bien faire les commandes et tout, et que le jeu saute ta gueule en t'envoyant des fantômes, des zombies et des rats et des poubelles? Mais j'avoue que j'aime beaucoup le moment où il faut faire des burgers. J'ai peut-être loupé ma vocation, en fait. D'où vient ce bruit? Va donc voir. Waouh. Mais pardon. Ah, bien vu. Oh, le rat! Il est là, let's go! Toué, l'employé de Burger Farm, n'a que 35 ans. Et pourtant, son activité cérébrale a fortement diminué à tel point qu'elle correspond aujourd'hui à celle d'un homme de 87 ans. Il n'est désormais plus capable d'accomplir normalement ses tâches au restaurant et il passe ses journées à regarder les steaks hachés brûler sans réagir. C'est un miracle qu'il n'ait pas encore mis le feu au restaurant. Ben voyons! Il l'a fait 3 fois aujourd'hui. J'observais la même détérioration des capacités cérébrales chez l'animateur radio Maverick Copper. La plupart des autres sujets du test ont péri ou disparu comme E7. Dès que je serai... Mon voisin, dès que je serai ressorti, j'ordonnerai l'extraction de Toé et de Maverick. J'espère qu'avec une bonne rééducation, ils parviendront à retrouver toutes leurs facultés. Ce que j'ai vu dans les souterrains est proprement terrifiant. Il n'y a pas que nos expériences. Quelque chose vit là-dessous. Dès mon extraction, je n'aurai pas d'autre choix que de demander à Zane de prendre une décision radicale. Il faut mettre un terme définitif et immédiat à l'initiative. Mais on l'a déjà lu, ça. On l'a déjà lu, ça. Ouais, on l'a déjà lu, mais comment ça se fait qu'il y a la cassette ici aussi? En fait, c'est des cassettes que j'ai trouvées, je les accumule chez moi et je les réécoute pour le plaisir. Ouais, c'est ça. Bon, vas-y, je vais me doucher, je vais me coucher. Ouais, on l'avait déjà lu, hein, je suis d'accord. Hein. Désolé. Avec mes 4 citrouilles là, on va être bien. Laisse pas la viande sur le grill trop longtemps pour brûler. Je le sais. Ah, on est là. Bah, dans la pièce, c'est la commode. C'est où c'est? C'est là? Oh waouh! Mais pardon? Quel aura? Attends. Par contre, excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Non, mais le rat, il fait trop de bruit en fait.
Dora, dégage. Toi, dégage aussi. Attends, parce que moi, je vais aller vérifier un truc chez moi, là, ça m'inquiète. Dora, dégage. Et je vais plus te voir. C'est quoi cette histoire, là? Pourquoi il y a un trou chez moi, maintenant? J'hésitais à le mettre dans les toilettes, bien sûr. Oh! Mais ça... Mais ça parle super fort! Qui es-tu? Ah, je suis chez le voisin! Tu as perdu ta langue ou quoi? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Ça parle super fort! Arrête! Ça parle fort! Tais-toi! Tais-toi! I'm an artificial intelligence cybernetic organism. Or a robot, if you will. E7, je veux t'écouter de loin! A friend. Haven't seen him in a while, though. He woke me up. Now I'm gonna wake you up. C'est quoi cette blague, là? All of this is fake. And E7 made recipes to try to break out. See those blueprints over there on the walls? It shows you the ingredients you will need. Throw all three of those ingredients into Obscura's fabricator and watch the magic happen right before your very eyes. Mais attends, mais pourquoi je suis enfermé Utilise le fabricateur pour créer de nouveaux objets, il a été inventé par un certain E7. Mais oui, mais génial. Et pourquoi la porte est fermée derrière moi et à clé en plus? En espérant que quand je recharge le bâtiment, du coup, ça va le... Je fais n'importe quoi, je sens que je suis en train de péter le jeu, je fais n'importe quoi. Ah ben voilà. Bah alors c'est... Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse en fait? Mais en fait, c'est là qu'il fallait mettre le rat. C'est un putain de micro-ondes. Bon, je crois que j'ai cassé les sous-titres. Hein. Craft le C-pad hacker explore. Les sorties, je sais pas quoi, craft le la bombe burger. Ah mais tout ça, ça a été fait déjà, ok. Get Shroog Suspicious Door Inside Museum. Oh, tu veux que j'aille au musée chercher une suspicieuse porte? C'est des sous, ça? Ah non. You know those people that you've been serving over at the burger farm? K-pad hacker, eh tiens. K-pad hacker. Rollopast, Bobocell batterie, FM transmitter. Je ne te comprends pas, tu parles sans sous-titres. Merde, reviens là toi. Je voulais qu'on aille au musée peut-être. Arrête. On va au musée peut-être? Vous pensez que c'est ça que je dois faire? Je vais aller au musée vite fait. Par contre, j'aimerais bien réactiver les sous-titres, ce serait cool. Le robot t'a dit que les gens que tu sers au resto sont pas réels. Oh. Mais attends. C'est pas ouvert? Les gens sont pas réels, mais elle est réelle. J'ai la ref. Hein. Bonjour, vous savez comment je peux... Vous êtes pas réel? Vous avez pas l'air réel.
Comment je peux rentrer là-dedans? Je le sais que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais tu me connais. Non. Par contre, là... Non. C'est quel genre de voiture, ça, avec un dollar dessiné dessus? Descends du toit des voitures... Attends, j'ai une idée. Je sais par où passer. Par là. Puis, ah, c'est pas de la... Merde. C'est de la fausse herbe. Dommage. Puis après, je monte sur le panneau. Et après, je fais tout le tour comme ça. Non, on peut pas. Ça a été mûrement réfléchi, je ne peux pas. Est-ce que quelqu'un veut me dire ce que je suis censé faire par hasard? J'accepterai avec plaisir. Putain, on n'est pas venu là. J'ai pas eu peur en fait. Pas du tout. Ah, le cimetière donc, je crois. Faut acheter les matériaux pour le keypad hacker. Ah, acheter les matériaux, mais ça je peux aller au magasin qui les vend. Le magasin qui en vendait. Et qui n'est pas en Vendée. Oh, c'est rigolo. Il était situé vers... Donc ça c'est là où j'habite. Vers là-bas, je sais plus. Je me demande si ça fait pas les puits de sauter. Là il y a un stop, on peut pas y aller. Là à gauche on va dire qu'on y retournera jamais. Attends. Là il y a la pharmacie. Ah putain, j'étais juste à côté. Oh, j'ai fait le tour pour rien. C'est mon énergie qui me remercie. Bonjour, ça va? Tu m'entends? Y'a que des cafés, on s'en fout. Ok, on s'en fout. Ah. Jazzy Java Joint. Has it all? A band? Hey, je reconnais ça. Tiens, ta gueule. Donc vous n'existez pas apparemment, c'est ça? Donc c'est pas vraiment ici qu'il faudrait que je cherche ce que je recherche. Mais... à un autre endroit. Plus à une supérette quelque part. Ah, j'ai plus vite qu'un café. Intéressant ça. Bonjour. Quick, nous, c'est le goût. Somnifère, tu n'arrives pas à dormir, somnifère, gros dodo sont là pour toi, ce n'est pas tout, ils te font rêver, nous te remboursons intégralement. D'accord, il n'y a que ça. Bonjour, ça va? Tu ne connais pas le code. Ah oui, d'accord. Donc je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille chercher ça. Peut-être là-bas. Peut-être que chaque magasin a le truc qui m'intéresse en particulier, je sais pas. Bonjour. Oh, c'est spécial chez vous. Ah, oh, vous avez... Oh, Bobo Gel. Oh, il me le faut ça. Bonjour, comment je... En fait, j'aimerais vous acheter des trucs. Steel and Seal, le seul endroit de New Machin où on peut acheter des émetteurs radio et d'autres objets exotiques. Tu pourras peut-être même leur vendre un ou deux trucs pour te faire un peu d'argent si... Parce que si tu as besoin de travailler, je peux te rajouter des heures. Hein. Prends tes items et mets-les ici. Ah, c'est pour revendre. Ah, et ici on peut acheter peut-être tickets grattés, puce et maîtrise. Moi je cherche la pile. Pile Bobo Cell, une. Impeccable.
pick up your pourchasse at the front counter. Thank you. Ah, ok. Merci. Est-ce que vous vous rappelez c'est quoi les deux autres trucs qu'il fallait que j'achète? Bon, je vous rappelle juste de la pile. Je crois qu'il y avait ça, là, l'espèce de puce. Et l'autre truc, je me rappelle plus ce que c'était. Ouais, la puce émettrice. Non, pas une barre. La puce émettrice, ok, j'ai assez de sous. Ok. Et l'autre truc, c'est quoi? Une colle. Radio portable. Pile, pardon. Donc ça, c'est la figurine. Horloge. Appareil photo. Ticket à gratter. Puce émettrice. Jukebox. Télé-écran plat. Bombe de peinture. Vieux vase. Ça s'achète peut-être pas ici, hein, le... La colle, vous dites? De la colle? De la colle? Où est-ce que je peux trouver de la colle, moi? Où est-ce que je peux trouver de la colle, s'il vous plaît? Elle en a pas, de toute façon, ici. Donc c'est pas dans ce magasin. Faut que j'aille voir ailleurs, faut que j'aille voir à côté, un peu. C'est pas des vrais magasins à côté. Je crois pas, hein. C'est des très grosses perruques. Peut-être que de la colle, il y en avait... Elle est si lourde que ça, la pile, j'arrive plus à courir. Le bruit de Naruto, tu veux dire le bruit genre... Je l'ai entendu, mais ça vient pas de Naruto, c'est plus connu que ça. Et je sais plus d'où ça vient exactement. Moi, je recherche la colle. Oui. Non, vraiment, la colle. Il me semble que sans recette, tu peux pas faire grand chose, mais je connais pas assez le jeu. Personne ne sait où est la colle, je suis très triste. Je pensais que vous connaissiez le jeu par cœur. Je pensais que vous l'aviez déjà fait. Tu vendrais pas de la colle, toi, des fois? Oh, tu vendais une pile. Tube de colle. Oh, mon Dieu. Bon. Eh bien, il suffisait de demander. T'es pas au boulot, toi? Bizarre, je vais fermer dans le doute. C'est pas là. C'est là. Alors, arrête! Tu me fais super peur! À chaque fois. C'est ça, la colle, la puce. Ah, FM transmetteur. FM transmetteur, c'est pas une puce! FM transmetteur, c'est une radio, non? Et j'en fais quoi? Je mets tout ça là-dedans? C'est pas normal, ça. Si? Ah si, ça flotte. Et genre, pourquoi tu me mets plus les sous-titres, en fait? Pirateur de clavier. Utilise-le sur un pavé numérique pour lancer la séquence de piratage et appuie bien sur le bouton vert quand il te le dit, surtout. Utilise-le sur un pavé numérique, sois attentif, surtout. Oh, énorme! Et je vais pouvoir ouvrir toutes les portes à clavier qui étaient fermées, maintenant. Et il y en avait plein. Tous mes voisins, déjà. Ou ça risque d'être long si on doit tous les faire. Je le récupère, hein. Oh, rassure-moi, je le récupère, hein. Pourquoi je le récupère pas? Il faut le refabriquer à chaque fois.
Non mais je tombe là en fait. Mais c'est quoi cet endroit pourri? Moi je vais pas là-dedans. Je peux pas ressortir. They never come back. Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non. J'ai passé beaucoup de temps au sein de la simulation. J'ai encore toutes mes facultés et cela m'a permis d'observer attentivement les sujets d'études. Et d'étudier de près les effets de la technologie de modification sur le comportement humain. Le résultat est pour le moins troublant. Quelle que soit la simulation, tous les sujets souffrent du même traumatisme. Nous ne reproduirons pas des ouvriers serviles, nous reproduisons des traumatismes. Mais par contre, je suis trop deg d'avoir perdu mon truc de hack. Moi, je pensais pas qu'il fallait en créer autant. Heureusement, j'ai un peu de thunes. Mais quand même. Bon, bah vas-y, on recommence. Bah, un tube de colle. Je prends. Tu vends pas d'autres trucs, toi, des fois? La pile. Je prends. Mais du coup, la puce, elle se vend que là-bas. Oh mec, je dois retaper le chemin jusqu'à la puce. Ouais. On va faire un test. Je vais laisser ça là et je vais acheter deux puces. J'en ai besoin d'au moins deux. Ah, j'avais pas vu ça. Appeler le bus. Oh! On pouvait appeler le bus pour 2$ pour pas se fatiguer. Merci Kazé Sandals pour les 22 mois de resub, merci beaucoup. C'est beaucoup trop long pour aller jusqu'à là-bas. On te l'a dit, Farod. Ah oui, mais j'avais pas goûté. J'ai oublié ma technique de sauter. Alors. Non, 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 non. Oui. Oui. J'en veux deux, s'il te plaît. Merci, au revoir. Oh là là. Ça va être tellement long. Tu peux trouver la puce dans la pièce avec le robot. Ah ah! Ça c'est intéressant par contre. J'ai plus d'énergie. Et j'ai laissé. À moins que la colle ça me donne de l'énergie si j'en mange. J'ai laissé la barre là-bas, on va la consommer de suite. Ou alors je vais me doucher. Ouais, je peux aller me doucher aussi, tu me diras. Au moins, ça c'est fait. La suite du jeu est plus intéressante. Ok, bah j'espère, parce que là ça devient un peu répétitif. Mais je me plains pas. Ne t'inquiète pas, je m'amuse bien assez, sinon j'aurais déjà laissé tomber. Bah, je veux qu'on fasse à chaque fois les deux pièces. Alors, là, là et là. Tu me dis qu'il y a une puce ici? Mais je ne la vois pas. Hop. Tiens, toi, je vais te placer là en attendant. Oh, tu sais quoi? Eh, tu sais quoi? Je vais en créer une autre de suite dans la foulée. Comme ça, je perds pas ma puce au cas où. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, je voulais pas faire ça! Je voulais... Ah, putain, mais non, mais tout ça pour ça. Je deviens fou. Je voulais pas la placer là, enfin. Je savais pas qu'on pouvait la placer là. En plus, je l'ai déjà, cette putain de figurine. Tiens, c'est pour toi. Pfff.
Mais ne me pousse pas. Il me faut une pile et il me faut de la colle. Ah mais il y a plein de trucs. J'avais pas vu ça comme ça. Oh, j'ai cru que la porte était condamnée. Excuse me. Quoi? You're standing on my foot. Tell you what. Arrête. I'll scratch your back. Parle pas. You can scratch mine. Bon alors c'est où qu'il y a une... Il y a une puce supplémentaire quelque part là. Et toi je te place là. Toi je te garde pour plus tard. Il y a une puce supplémentaire vraiment? Quelque part ici? Quelqu'un m'a dit ça mais j'ai peur que ce soit un mensonge. On va aller visiter un autre voisin. Donc celui-là on l'a déjà fait. Putain il, ça reste pas. Toz Room. Eh je vais aller chez Toz moi. Je veux savoir ce qu'il y a dedans. Je veux savoir ce qu'il y a chez lui. Je suis sûr il a plein de photos de moi sur le mur de sa chambre. Hein. Un truc comme ça trop chelou tu sais. Oh là. Oh là, le temps de chargement qui m'inquiète. Oh, j'ai perdu ma pile. J'ai perdu ma pile dans le micro-ondes, ça c'est certain. Oh. Oh, j'aime bien ce style de dessin. Oh, le mec, il a un méga écran plat. Par contre, faut acheter le meuble qui va avec, parce que... Non. Bonjour, je m'appelle Théodore Olivier Emerson. Toé. Quand j'étais jeune, mes amis m'ont surnommé Théo. Oh merde. Oh merde, qu'est-ce que je fais? Oh. Oh non, je suis drogué, je crois. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh la giga erreur. J'entends plus rien, je sais plus de quoi on parle. Je suis désolé, j'ai tout cassé. Donc j'ai... C'est Toé qui parle. Donc avant il était normal, mais j'ai tout cassé donc j'ai pas le... Oh mais tout était là. En fait Toé c'était quelqu'un en bonne santé avant et je sais pas il s'est passé un truc. Mais comme j'ai bu et mangé des trucs j'ai pas entendu la suite de l'histoire je crois. Je suis coincé ici dans le New Elysium, on dirait une ville factice, et je ne sais pas comment en sortir. Si vous entendez ceci, je vous en prie, aidez-moi, je crois que d'autres sont dans mon cas, faites vite. Je sens que je perds la mémoire, je commence à oublier. Presque tout en fait. En gros, il dit qu'il était normal, mais peu à peu, il se sent de plus en plus bizarre et il a peur. Mais j'entends des bruits. Ça a l'air trop bien. Pourquoi elle parle en japonais? Il a piqué ça? Et là, y'a qui dort là? Waouh! Bon, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou... Ou je repars? Et je repars, je reviens plus après parce qu'il me faudra de nouveau un code. Hein. Je prends ça de côté pour plus tard. C'est ça qui m'a rendu malade. Ah, ça m'a vidé toute mon énergie! Est-ce que je vais devenir comme Toé? Oh, je peux pas enlever, je peux pas manger mes frites. Space, hein, le jeu. Et je sous-entends pas qu'il vient de l'espace. Hein. Merde, je peux pas manger. Ça va? Et là,
Là par contre c'est fermé, on pourra pas y aller. Bon bah on va fabriquer de nouveau un machin, je vais aller me doucher. Je vais me doucher, on va recréer un truc comme ça. Et j'ai vu qu'un endroit avec un code, il y en avait à la pharmacie, après il y en avait même au resto dans le bureau du boss. Donc on va se faire les deux. C'était juste pas suffisant en fait. Je veux juste vérifier que ma pile est toujours là-bas. Très bien. Arrête, tu m'as fait peur. Deux piles, c'est pas normal. Hein. C'est bugué. Hein. C'est pas normal qu'il y ait deux piles. Il m'a fait trop peur. Désolé, j'ai parlé fort aussi, du coup j'ai dû vous faire peur, mais moi j'ai eu peur. Ça va toi? La puce, la colle. Bug de duplication. Ah, let's go! À la limite, je devrais prendre le bus pour aller plus vite là-bas. Bug de clonage, bonjour. Encore que s'il me parlait avec les sous-titres, pourquoi pas? Merde, j'ai pas fait exprès ça. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, on y va. On achète deux puces. La puce. Oui, la puce émettrice. Hop, je prends. Oui, non. Oui, la puce émettrice. Au revoir. Merci, à bientôt. Du coup, je prends deux piles. Une pour la pharmacie. Tu vois, là-bas. Tu la vois, la porte, là-bas? Hop, il y a un code. Et après, il y en a une au fast-food et sûrement à d'autres endroits que j'ai peut-être oublié. Vous vous rappelez d'un autre lieu avec un code à mettre? À l'endroit où il y avait le gros cochon, je crois pas qu'il y en avait. Dans le bar café, je crois pas qu'il y en avait non plus. Dans les autres magasins, il n'y en avait pas non plus, je crois pas. Eh bien, je suis bloqué, ça arrive. Oui, non, mais au resto, c'est sûr qu'il y en a un. Je l'ai vu. Ça, c'est certain. Ah, il y a une pile. Mais ça va pas marcher! Ça dégoûte, hein. Mais pourquoi il y a une pile ici, j'ai jamais vu. Y'aurait pas une colle cachée quelque part là? Je vais chercher deux colles. J'ai cherché une colle. Putain, je dois rechercher une puce après ça, j'en ai trop marre. C'est trop chiant. C'est toi qui me fais peur. Eh, tu parles beaucoup moins fort qu'avant et ça fait plaisir, mec. Merci. À gauche du robot, t'as une puce. Ah putain, ça j'avais pas vu. Ah putain. Bon, je vais acheter une pile et une colle. Comme ça, j'en aurai deux. Et je me fais pas avoir comme tout à l'heure à poser le machin sur le. Sur ça. Hop. Une colle. Et une pile, s'il te plaît. Tu as trop d'objets. Ah merde. Oui, effectivement, j'ai trop d'objets, j'avais pas tilté. Look at me. Look at me. This is what happy does. D'accord. Alors. OK. Ça devrait être bon. Reprends ça pour plus tard. Et on peut aller à la pharmacie, on fait une dernière fois le tour des magasins et après on part au restaurant. Ah, j'aurais pu passer un coup à la douche vite fait. Dommage, mais j'avais toutes mes barres en partant, je crois. Ça va le chat? Désolé, hein, je suis un peu focus sur le jeu, à essayer de comprendre tout ce que je dois faire.
Du coup, je vous parle pas trop. Le sac à dos, je l'ai pas trouvé. Je sais pas où il est. On m'a parlé d'un sac à dos à un moment donné, mais. Toujours pas vu, toujours pas entendu. Attention, c'est parti. Depuis le début, le patron ne cesse de te surveiller. Pirate la porte de son bureau pour y rentrer. Tu as trouvé un jeton, utilise-le pour améliorer le restaurant. On m'a souvent dit ça, mais j'ai jamais compris comment on améliore le restaurant en fait. Ouais, d'accord que là, il n'y en a pas. Là-bas, c'est pas des vrais magasins. Le musée, on pouvait pas y aller. Il y a juste le bar, peut-être. J'ai regardé vite fait pour vérifier, mais je crois pas qu'il y en ait non plus. Oups. Merci de m'avoir à la porte. Non, là on peut pas. Ah, il n'y a pas de porte fermée. Hein. Non. Allez, on va au restaurant directement voir ce qui s'y passe. Apparemment, il faut l'acheter le sac à dos. Arrête. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, j'achète là-bas. Ouais, parce qu'avoir plus de place dans mon inventaire, ça serait vraiment pas mal. Non, c'est pas elle qui vend le sac à dos. Non. Eh, je peux lui vendre des trucs. Tu m'as donné 1$ pour ça. Oh, le gâchis. Ouais, où est-ce que je peux le trouver, le sac à dos, à votre avis? Boing, boing, boing. Je peux le manger, ça? Je suis vrai ou je peux pas manger la bouffe de mon boulot? J'ai plus d'énergie, là. En fait, je peux manger que des barres chocolatées. Et il y a un distributeur de barres chocolatées au resto ou pas? J'ai un doute. Il y a un distributeur à pilules de dodo là-dedans. Et au bar, j'ai pas souvenir de voir distributeur non plus. Ah, ok, autant pour moi. Ah oui, le café, mais juste pour aller plus vite. Mais moi, je cherche un distributeur rouge, pas bleu. T'as plus ton truc pour pirater? Oh putain, pourquoi j'ai plus mon truc pour pirater? Mais pourquoi j'en ai fait deux? Mais enfin, j'ai fait deux trucs pour pirater, pourquoi je l'ai plus? Bah non, je l'ai pas jeté, je suis sûr que je l'ai pas jeté, pas du tout. Non, non, mais je l'ai pas jeté du tout. Mais j'avais deux sacs de frites aussi, là, il m'en restait plus qu'un, je sais pas quand est-ce qu'ils sont tombés. Bon, et après, au pire, hein, au prix où ça coûte, je peux toujours m'en racheter un. Hein. Mais trop chiant. Trop chiant. Dans le sac, Farod trouve la touche pour l'ouvrir. Non, j'ai pas de sac à dos, en fait. Et je suis pas sûr que je l'ai vendu, parce que j'ai vendu ma frite. Et ça m'a rapporté que 1$ si j'avais vendu deux objets. Celle que j'ai jetée. Si j'avais vendu deux objets, j'aurais eu 2$, je pense. Oups, j'ai pas fait exprès là. Pardon. Bon, mais il faut que j'aille m'en fabriquer un. Hein. C'est en kikinant. Pire, je peux toujours m'en faire un de plus.
Ça coûte rien d'en faire un de plus. Je sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Je sais pas à quel moment je l'ai lâché. Ne parle pas! Et merde. T'as un sac à côté de la lampe torche en bas à gauche de ton écran. Je l'ai vu. Sauf que je sais pas comment l'activer. Je sais pas quel bouton. I peut-être? Je sais pas quel bouton utiliser pour l'enclencher, mais je crois pas que je le possède. Eh, hey, mais il y a une litière! J'ai un chat? Putain, j'ai que ça comme objet, ça me fait peur. Il faut pas que je fasse de mauvaises manips. Ah! Ah! Oh! Oh, j'ai mis tes objets dans un sac, t'avais raison, c'était la lettre B. Oh, merci! Oh, merci! En fait, je l'ai, le sac à dos. Ah, oh, on peut mettre des objets à l'avance dans le sac comme des barres de céréales ou des trucs comme ça. Il faut que je me douche. J'ai encore oublié, mais il faut que j'aille récupérer de l'énergie. Voilà, on met un peu le pavé numérique sous l'eau, hein, ça lui fera pas de mal. Hein. Tu connais, hein. Allez, on va aller à quel le restaurant, on va voir qu'on se trouve à l'intérieur du bureau du manager, voir si voir si on trouve quelque chose à l'intérieur, tout simplement. Eh, tiens, tu sais quoi? Pour la forme. Ah oui, c'est vraiment instantané. Et ça amène où? Parce que j'ai pas choisi mon arrêt, hein. Ah oui, directement au resto! J'espère que ton travail te plaît parce que maintenant tu vas servir des hot dogs. Oui, évidemment qu'on va servir des hot dogs. Va à ton nouveau poste de travail, prends du pain, de la viande, de la moutarde et c'est bon. Oui, évidemment. Évidemment qu'on va faire ça, bien sûr. Ah, je me prépare là, je suis en train d'habiller tout ça. Hop, je suis au casier. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va bien trouver dans le bureau du manager? Ouvert. Hey, qu'est-ce que tu fabriques dans mon bureau? Qui t'a dit d'y entrer? Eh oh, je te parle. Ah oui, c'est vrai que tu ne peux pas me répondre. Ah, je préfère ça. Au moins, tu n'auras plus à écouter ce type. Maintenant... Qui c'est d'abord? Sans doute un gros nul payé pour te surveiller. Je serai ton nouveau guide touristique, merci de ton attention. Si j'étais toi, j'éviterais d'actionner ce levier. Ah merde. Genre vraiment. Ah merde, je suis rentré dedans. C'est pas les sous-sols qui disaient qu'il y avait des expériences qui étaient faites là-bas et tout ça? Oh non, mais je... pas fan. Oh non, putain. Oh non, j'ai rien. Envie de crier un bon coup. Oh non. Oh non, c'était vraiment des fausses personnes en fait. Oh non, j'ai pas pris de barre de céréales à l'avance ni rien. J'ai fait une erreur, je crois. Oh la grosse erreur. J'ai pas rêvé, il y avait un truc là. Il y avait un truc là. Il y a un truc qui me suit dans les conduits. Ça fait super peur, je peux passer? Mais Yii, la vache, c'est dégueu. Cassette, deux cassettes, il faut que je trouve un moyen d'aller de l'autre côté. Je peux pas le péter, hein. Fais une sauvegarde avant de tout perdre avec un blue screen. Ah mais comment on fait des sauvegardes? Les sauvegardes, elles sont automatiques, rassure-moi. Parce que je peux pas sauvegarder, moi.
Ah oui. Le four. On peut pas monter. Donc à chaque fois il y a un truc à éteindre. Ah mais ça a dû arrêter l'hélice. Oh putain. Pardon. Oui mais là j'étais juste bloqué, je pouvais carrément pas l'éviter en fait. Ça c'est bâtard de me l'avoir mis là. Aucun moyen de l'éviter. Mais genre... J'ai trouvé une recette, rentre chez toi. Bien sûr. Admire-le autant que tu veux. Les robots clients sont beaucoup plus évolués depuis que j'ai quitté le Burger Barn et que je me suis retrouvé dans ce restaurant. Ils sont moins flippants aussi. J'ai réussi à en capturer un, à couper sa source d'énergie, à lui ôter la tête. J'ai balancé tous ses membres. Ensuite, à mes heures perdues, je me suis amusé à essayer de pirater sa tête. Et crois-le ou non, j'ai réussi à le ramener à la vie. Lol. Il a une véritable personnalité, il ne se tait jamais, la plupart de ses blagues sont nulles, mais c'est mon seul ami. Et mon pote Vic n'est pas justement quelqu'un à qui parler, je suis désolé, le son est très fort. C'est aussi lui qui va m'aider à sortir d'ici. Le King's Conform est situé non loin de notre complexe sur Guri Django. Paragon a toujours profité de cette proximité pour y faire divers trafics et recruter des cobayes pour ses simulations. En effet, alors que les habitants de Guri Django étaient particulièrement difficiles à capturer et plus encore à former, les touristes de King's Conform, eux, faisaient des proies faciles. D'autant qu'il ne leur fallait pas longtemps pour je sais pas quoi. Ok. Eh ben, je vais pas venir travailler. Et je vais rentrer chez moi. De toute façon, j'ai encore pas mal de sous, je trouve. Ça vous dérange pas, hein? Si je rentre chez moi. Hein? Je sens bien l'histoire de... Il faut aller à la bibliothèque et tout ça, là. Ok, c'est cool. Il m'oblige pas à travailler une journée entière. C'est bon, ça. Putain, t'as trouvé en rediff le moment où je perds la calculatrice, là? Que je la jette au sol dans l'escalier? Putain, mais t'es... Bien joué! Par contre, quand ils me disent rentrez chez vous pour faire une recette, je t'avoue que ça, j'ai pas encore bien compris qu'est-ce que ça voulait dire. Ah, t'es là, toi! Ah non mais moi aussi Siam, et depuis le début je comprends pas le sens du jeu. À un moment donné j'ai accepté que ça partait en couille, j'ai fait bon allez d'accord. Vous voulez des trucs chelous, des trucs bizarres comme ça, ok je vous suis, pourquoi pas. Alors le coup de la recette. C'est quoi, c'est une recette de cuisine? C'est toujours fermé hein. Pourtant c'est juste de ce côté là. Faudrait que je passe par là pour y aller mais c'est fermé aussi. Comment je peux faire pour juste aller là? What if this isn't real? Am I real? Oh god. You're scared of me? Hey, le burger bomb. Ah mais c'est vrai qu'il y avait une sorte de burger bomb, attends. Am I real? Oh god. Craft le truc Keipa, explore les exits, craft le burger bomb. Ah attends, maintenant il faut que je fasse un burger bomb. Il me faut un réveil, il me faut une pile, il me faut un steak. Putain, il faut que je retourne encore au... Faut que je retourne là-bas. Faut que je retourne là-bas en piquant un steak. Mais il y a écrit de ne pas voler, hein. Ouais, d'accord, faut que je retourne au fast-food. Et un réveil. Et une pile. Ben, je vais roupiller un petit coup.
Ça vous dérange pas? Tu ne ressens pas la moindre fatigue? D'accord, bon, bah, je vais pas roupir un petit coup, je prends une douche dans ce cas-là. La douche est parfaite, ça te soigne de Covid et ça te remet toute l'énergie du monde. Et là, on peut toujours pas y aller. Donc, un réveil. C'est vachement sombre, plus sombre que d'habitude, non? Ça va, toi, là-bas? Un réveil. Tu vois un réveil, peut-être? Juste pour le fun. Merde, comment on l'utilise? Tu n'as rien gagné. Génial. Et ça vend quoi? Rien du tout. Les somnifères, c'est pour sauvegarder? Ah, parce qu'on sauvegarde quand on dort. Eh oui. Ah oui. Oh. On va les sauvegarder. J'ai peur du moment où je me chope un blue screen sans le vouloir. Alors, on va aller chercher des somnifères, on va aller chercher un réveil. On va aller chercher un steak aussi. Le steak, je pense que je peux aller chercher de suite, ça ira plus vite. Je suis allé trop loin, je pense. Le steak est dans le distributeur. Ouh, j'avais pas vu ça. 35 pour sauvegarder, t'es ouf. Eh bien, on va croiser les doigts pour que le PC il plante pas. T'es fou, je 35, c'est un tiers de l'argent que j'ai sur moi, j'en ai trop besoin. Est-ce que tu vends de... Ah, réveil. Formidable, merci, au revoir. Donc il y avait un steak dans le distributeur, j'aurai aussi ma pile dans le distributeur. Salut Toé, à plus, on se revoit au boulot. Ouais, pas de blue screen, putain. Ceux qui connaissent le jeu, il y en a pour combien de temps encore? Parce que là, ça m'inquiète, on arrive à 23h14. Et j'ai l'impression que j'ai pas encore fait... J'ai rien fait dans le jeu, j'ai l'impression. Je suis juste battu contre un gros cochon. Et les souterrains. Mais putain, j'ai peur qu'on finisse pas le jeu ce soir. Hein. Bonne nuit Maryse, à plus. Ah oui, tu as raison. Le steak et la pile. Le jeu peut prendre 5 heures, voire 10. Sans déconner, c'est super long. Bon, après, il m'a coûté 17 balles le jeu. Donc j'en ai pour mon argent, hein, c'est sûr. Hein. Mais waouh, ok. T'as fait un quart du jeu. Oh putain, d'accord. Ok, on n'a rien vu du jeu, vraiment. Alors, et j'en fais quoi de ça? Attention, ça explose. Merci. Get through suspicious door à l'intérieur du muséum. Donc, faut que je fasse péter une porte au musée, en gros. Si je dis pas de bêtises. Un autre stream, du coup? Eh ben, si je suis même pas... Si je suis à peine à un quart, oui, il va y avoir un autre stream, du coup. Le musée, c'est là-bas. Oui, surtout que j'aime bien le jeu, c'est pas trop compliqué et je le manie bien, je le sens dans mes déplacements et tout ça, donc ouais. Bon, je veux pas hein, faire de conneries et de me tromper. Bon, je sens que c'est là qu'il faut foutre la bombe, non? À côté des burgers dans le resto, t'as un trou pour la bombe. Ah oui, c'est vrai. Ah! Mais je croyais que la bombe c'était utile. Il y avait écrit porte suspicieuse dans le musée, c'est pour ça que je me suis fait avoir. Je trouve que pour l'instant il n'y a pas eu de truc flippant. Ouais, à part les zombies qui me fonçaient dessus et que j'avoue que je pouvais pas anticiper, il n'y a rien eu de flippant. Mais après, si on est qu'à un quart du jeu, c'est peut-être parce que le truc flippant n'est pas encore arrivé. Mais je. Passe quand même un bon moment à jouer sur ce jeu, je t'avoue. C'est vrai qu'au resto, il y avait un trou avec une bombe, j'avais zappé ça. C'est le jeu qui m'a trollé là avec cette histoire de porte au musée. Oula. Merde. Merde. Je fais n'importe quoi. On va quand même allumer un peu. Voilà. Voilà.
Ah, faut que je l'allume. Ah. Oh putain. Eh, sympa. Donc, passage secret, on peut y aller. Oh. Wow. Oh, il y a une version sous-marine du... Une version qui a été noyée du... Du restaurant. Mais ça va aller, mec. Oui. Et j'imagine qu'il faut un... Une clé. Une clé, un outil pour tourner le truc. Wow. Ah non, j'ai réussi à le tourner. Il n'y a pas eu d'animation pour dire que j'allais tourner, d'accord. Eh mais c'est... Je reconnais. C'est le crabe croustillant. Oh oh, non, non, non. Non, calmez-vous. Je vais pouvoir améliorer mon resto. Chouette, je sais toujours pas ce que ça veut dire, mais énorme. Oh putain, oh putain. Oh putain. Let's go. Oh là. Tu sais que j'ai toujours pas sauvegardé le jeu. Hein. Ça m'inquiète. Hein. Si Blue Screen y a, c'est la fin du monde. Je suis E7. Je fais partie de la simulation de Burger Barn avant. Mais la technologie HHBB était trop efficace. Ça me donnait mal à la tête et tout me semblait déformé. Suite à la grosse explosion qui a détruit toutes les simulations, j'ai réussi à m'enfuir d'ici, mais... Paragon m'a capturé et amené ici, chez Happy Burger. Je crois que ce niveau de simulation de restaurant est plus ancien que le... Oh! Ah, mais c'est des toilettes! L'hypnose est bien plus faible ici et je commence à me souvenir de qui je suis. J'arrive pas à le prendre. Ok. Ça va toi? Ben je refuse de travailler du coup, on repart. Pas de blue screen le PC s'il te plaît. Enfin j'espère qu'il faut repartir. Ah. J'imagine qu'il faut que je retourne. Hey, Toé. Attention, whoop là. J'imagine qu'il faut que je retourne chez moi et le mec avec la tête va me parler. Mais c'est marrant parce que lui, il a plus droit aux sous-titres. Tout le monde a droit aux sous-titres, les cassettes, tout ça. Mais lui, j'ai l'impression que je l'ai fait bugger, il a plus droit aux sous-titres. Pardon. So where do they got you? The graveyard shift, hospital. Don't tell me you're at the burger joint. Oh man, you wouldn't catch me dead in that place. Bah rien n'a changé. Hein. Look at me. Look at me. Je te vois, je te vois. This is what Happy does. Qu'est-ce que quelqu'un sait ce que je dois faire ou pas? Va travailler. Pensez qu'il faut que j'aille travailler. Faut que j'aille faire des hot dogs. Va à l'intérieur du musée. Ah. Travaille et le lendemain le musée sera ouvert. Ah. Ouais, j'ai pas l'impression que le musée soit réellement ouvert. Hein. Boing, 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 boing. Bon, même petite journée de boulot, on va essayer de faire ça bien. Faut travailler pour avancer, cool. Il faut que tu visites le musée avec une bombe dans ton inventaire.
D'accord. On va aller faire des burgers. On va se régaler. Tiens, je laisse ça là. Pardon. Juste pour vérifier. Non, c'est parce qu'il fait un peu chaud. C'est pour aérer un petit peu. Oh, pas toutes. Ouais, c'est juste pour aérer. Voilà. Ah oui, il faut prendre un peu d'élan aussi. Non, mais c'est pas moi, hein. Quand je suis arrivé, c'était déjà comme ça. Oh. Hey. Oh, c'est pas mal, ça. Des pièges à rats que je peux activer de loin. Non, mais c'est pour éviter que les... Comprenez pas. C'est par rapport aux zombies. C'est pour éviter qu'ils rentrent et tout, tu vois. Tiens, c'est le truc des enfants, là. On m'a dit surtout rentre pas dedans, tu vas être bloqué, je sais pas quoi. N'y va pas. Oh putain, j'ai des flashbacks de Five Nights at Freddy's 9 avec ça. Oh putain. Oh putain, j'aime pas beaucoup. Oh oui, une cassette là-bas que j'avais pas vue. Allez, de la thune. Je sens la douille arriver, que je peux plus sortir. Ah si, je peux sortir, c'est bon. En vrai, j'ai eu peur d'être bloqué. Bon. Ça va, toi ? Il a dit yes. Putain, je le comprends, ça y est. Allez, on va ouvrir. On va ouvrir, on va allumer les fours. Hop, on va prendre ça, 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 comme d'hab. On prépare avant que les premiers clients arrivent. Allez, allez, mets-moi ça. Allez, 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 mets-moi ça, mets-moi ça. Ok, c'est déjà ça de fait. Hop, tac, 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 tac. Parfait. Tac, tac. Par contre, si les clients me demandent des hot dogs, je t'avoue que je sais pas comment on fait. Voilà. Et... Allez. Voilà. J'ai vu qu'il y avait des saucisses. Les saucisses, j'imagine qu'il faut les mettre... là. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? 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 Les toilettes débordent, débouchelées. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de toilettes qui débordent, là? Il y a personne. Et alors, comment... Ok, c'est réparé. Je vous préviens, j'ai pas le temps, je vous lave pas les mains. Tu veux un cookie en haute paille? Oh, mais c'est parfait. Non! Ah! Je sais pas d'où il sort, je comprends pas. Ça rend fou. Un cookie en haute paille. Bon, parfait. Les hot dogs... Ah, ça cuit! C'est cuit, là. Je les mets de côté. J'ai peur qu'ils crament après... Enfin, qu'ils, pas qu'ils crament, mais qu'ils soient dégueux, tu sais. Attends, quoi? Je mets dans du pain. C'est bon? Toujours pas? Ok. Hop. Clac, clac, clac. Tiens, c'est pour toi. Faut que je comprenne encore comment fonctionne ça, là. Mais pourquoi? Qui a éteint les lumières? Non, c'est pas gentil de faire ça. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux Happy Dog et Happy Dog No Ketchup. Ah, parce qu'il y a des histoires de ketchup. Donc, Happy Dog, ketchup. Comment je fais pour le prendre? Ok, Happy Dog, ketchup. Et ensuite, Happy Dog, No Ketchup. J'espère que je les ai bien fait, mes hot dogs, et j'ai rien oublié à l'intérieur. C'est juste du pain, la saucisse. Ah merde, c'est pas ça. C'est pas ça un hot dog, c'est quoi un hot dog? Happy dog. Ah no ketchup! Oh le con! D'accord, donc un happy dog normal c'est du pain, ça, les deux. Voilà, et ça c'est un hot dog. D'accord. Quoi? Les toilettes débordent, d'accord. Et après un autre avec juste de la moutarde. Oui mais bon, voilà.
Forcément, là, c'est beaucoup plus simple une fois que t'as fait l'erreur. D'accord, je comprends mieux. Allez. Ça va, ça va. Mais y'a personne qui va faire caca. Voilà. Bon, il était au sol, mais t'inquiète. Hein. Il est bon quand même. Hein. Voilà. Allez. Non ! Va-t'en ! Oh, que c'est méchant de ta part, ça. Oh, que c'est pas très gentil. Mais va-t'en, toi aussi. Oh, mais... Elle bug. Alors, tu veux quoi ? Cookie, Happy Deluxe... Happy Deluxe ? Hot... Ok, cookie. Ok, soft drink. Ok. Happy Deluxe, c'est du bœuf, hein, je crois. Du bœuf normal. Hein. Du bœuf. Cookie. Je crois qu'il veut ça aussi, je suis pas sûr. Hein. Ok. C'est ça. Hein. Cookie. Hot pie. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Sors les poubelles près de la porte, d'accord. Faut pas que mon steak y crame. Faut pas que ma saucisse crame non plus. Je comprends pas. Ah ouais, le coup des poubelles, ça c'est chiant. Ok, d'accord. Il y en a deux autres. Vite, vite, vite. J'ai presque plus d'énergie. Ok, ça c'est bon. Eh, je gère en vrai. T'es cuit? Alors, deux secondes, j'ai pas fini. Hop. Hop. Merde, j'en veux pas de ça. Hop. Hop, c'est bon. Hop, c'est bon. J'ai peut-être pas besoin de la lampe. Ça me fait plus mal aux yeux qu'autre chose. Hop. Hop, 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 hop. Dépêche-toi. Merde. Normalement c'est bon, il y a tout dedans si j'ai pas fait d'erreur. Oh Nick, c'est bon là, qu'est-ce que j'ai oublié encore? Ça me casse les couilles là. Putain, qu'est-ce que j'ai oublié encore? D'accord, faut que je joue à la... comme ça maintenant. Non sérieusement, qu'est-ce que j'ai oublié? Oh putain la boisson. Oh putain la boisson, je l'ai oublié. Il reste 2 minutes encore. Mais je crois que même ça je l'ai oublié. En fait j'ai tout oublié sauf... j'ai tout oublié en fait. Je pensais avoir tout mis, j'ai tout oublié. Ça va, il va avoir un burger gratuit, le gars il doit être content. Tellement été pris au dépourvu par les poubelles que j'en ai perdu mon... Je savais plus ce que je faisais. J'ai pas moyen de manger un bout moi quelque part là. Une minute encore. Oh, les saucisses, elles sont cramées, non? Ah non, il est pas toujours, toujours pas cuit. Dépêche-toi parce que... Ouais, tu vois, il s'impatiente, le monsieur, là. Voilà. Voilà, voilà. Hop, voilà, petit burger, il est bon. Hop, hop, hop. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a? Attrape le rat qui traîne dans le restaurant, très bien. Il trace de sang. Pardon? Pardon? Ou j'ai pas trop aimé ça moi. Le rat! Le rat! Le petit rat qui court dans la cuisine du restaurant, le petit rat! Oui, je t'entends. Je crois que t'es dans ma cuisine. J'ai plus beaucoup de temps, je vais me faire tuer par la vache, c'est sûr. La vache va me buter. Il est de l'autre côté. C'est mal ce qui se passe. C'est mal ce qui se passe. Et donc l'histoire c'est que je dois lui faire un sandwich maintenant. Je dois lui faire un sandwich à la viande avariée. Si je veux m'en sortir. Oh putain. Je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est. Elle est dehors, ok. Donc la viande avarie. Oh putain. Ah mais. Bonjour vous. Je sais pas où tu es. Je sais pas du tout où elle. Ah waouh, tu es juste là en fait. Waouh. Waouh, le jumpscare qu'on va se prendre. Il faut que je la fasse cuire la viande ou pas?
salade, je vais en chier pour l'attraper. Je peux m'approcher juste un peu pour prendre la salade, s'il te plaît. Hop là. Surtout pas. Ah non, 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 casse-toi. Putain, elle est où? Elle est là, ok. Personne n'aime la viande crue, merde. What the... Ok, ça marche. Je sais plus à quel moment on estime que la viande est cuite, hein. Ouais, Toé, il est à côté, là, il est en mode... Bah écoutez, moi, tout va bien. Tout se passe comme il faut. Merci Akira pour le Prime, merci beaucoup. Bienvenue, merci. Eh putain. Le restaurant a beaucoup changé. Mais voyons, mais enfin. Ça va pas. Bon, les clients arrivent, mais de toute façon... Bon, je peux la manger? Je peux pas la manger. Il reste que 19 secondes, je gagne 50$, c'est toujours 7 prix. Par contre, le restaurant a trop changé bizarrement, là. Le sol et tout. Waouh. Vous voulez quoi? Alors, vous voulez des... Ah mais j'ai fini. Merci, au revoir. Tiens, cuis-moi ça, s'il te plaît. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est pour la poubelle, j'imagine. Et j'ai rien dans mon sac pour manger quelque chose, je crois. Malheureusement. Et je crois que j'ai pas le droit de manger les aliments qu'il y a ici. Les gars, vous pouvez pas faire genre où vous avez pété une vitre et il y a un bruit de vitre pété. C'est moi qui l'ai pété la vitre. Vous êtes fous. Allez. Espérons qu'il n'y ait pas de blue screen. S'il vous plaît. Faut que j'aille. Ouais, faut vraiment que j'aille dormir pour sauvegarder par contre là. S'il te plaît, pas de blue screen. S'il te plaît, le PC, pas de blue screen. S'il te plaît, le PC, pas de blue screen. Tiens le coup. Le musée vient enfin d'ouvrir. Ah oui! Ah oui, c'est beau! Et si tu allais y jeter un oeil, ça a l'air génial! Eh, tiens, le coup, t'es bientôt à la maison, tu vas faire dodo, un maxi dodo. Le giga dodo qui va te réveiller là. Qui va te remettre plein d'énergie partout là dans le corps. Et c'est joli ça! Comme quoi, sauter, ça va plus vite. Hein. Merci Volt042 pour les 4 mois de resub. Merci grandement. Et si je tombe à zéro énergie, je meurs. Attends, il y a un truc qui m'intéresse là, 2 secondes. Merci. Je peux pas la manger. Je peux pas la manger, ok, ok. Hop là, voilà. Ça c'est important. Et hop, la petite douche. Voilà, la famille Citrouille s'agrandit exactement. Hop. Elle fonctionne déjà, voilà. Je remets un petit coup d'eau. Voilà, allez, on a bien douché, et maintenant, on va se coucher. Là, sauvegarde. Là, la vérité est dans un burger, un burger. Et le mensonge est dans un cake. Ah, toutes les cassettes que j'ai, d'accord. Donc il faudrait que on m'a dit refabrique une bombe avant de... Ok, donc un steak, un horloge et tout ça. Ok, donc faut que je retourne... Ah, j'aurais pu prendre le réveil sur la route.
écoute, dommage. Et dommage. Je fais la bombe. Au moins, je l'aurai dans le sac, la bombe, comme ça, ça sera fait. Regarde dans ton sac. Keypad hacker. Figurine du... de la vache. Non, j'ai pas de bombe dans mon sac. Il me reste pas de bombe, non. Oups. C'est là-bas. Le réveil, s'il te plaît. Là. Très bien, merci, au revoir. Réveil, steak et pile. Tout à fait normal de se promener avec une bombe dans son sac. Attends, depuis tout à l'heure, il y a des gens qui viennent se faire exploser dans mon resto. Donc, je crois qu'il n'y a rien qui interdit ça dans ce monde. J'ai pas fait exprès en fait, désolé. J'ai cliqué sans... par réflexe. Oups. Désolé. C'est quoi le but du jeu? Je t'avoue que je ne sais pas quel est le but du jeu. Je me laisse porter, mais je sais pas du tout ce que je suis censé faire. Enfin, je sais pas où est-ce que ça va nous amener tout ça. Je prends ça, le steak. Et ah non, c'est pas la colle, c'est la pile. Allez, c'est bien la pile, on est d'accord. Hein. Ça y est, maintenant j'ai un doute, ça commence. Non, c'est bon. Allez. Régale-nous. Et ça, cet objet est trop dangereux pour le mettre dans ton sac à dos. Oh non. Oh non, la blague. Oh la blague. Oh la putain de blague. Je vais acheter des trucs de manger, là. Ouais, je vais m'en prendre deux. J'en mets une dans mon sac. Et l'autre, elle est prête à être dégustée, si jamais j'en ai besoin. Partons en direction du muséum. Effectivement, il est ouvert maintenant. Oui, donc se balader avec la bombe à la main, c'est moins dangereux. Tu n'es pas encore allé faire un tour au musée? Eh si, j'avais prévu d'y aller. Voyons, ne t'inquiète pas. On y va. Et donc, il y a une porte suspicieuse au musée. Oh, déjà, ça, c'est suspicieux, ça. Ça, c'est bizarre, ça. Vous êtes bizarre, vous. Donc, il faut que je fasse péter un truc ici. Hein. Oh, what? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah! Ça serait pas en train de me teaser le prochain ennemi là? L'oiseau? Oh, c'est bizarre. La vache, quand je me rapproche, elle est normale. Et quand je m'éloigne, c'est la vache buggée, tu sais. Le cochon, c'est pareil. De loin, c'est le boss qu'on a battu tout à l'heure, et de près c'est le normal. Et donc du coup le coq, ça serait un tease du prochain boss, qui serait un espèce de gros oiseau comme ça. Et là j'arrive pas à savoir ce que c'est exactement, ça. Une espèce de requin. Et lui, il y a le bonhomme aussi derrière qui change de forme aussi. Et le poisson, je sais pas ce qu'il devient non plus. Oh, c'est bizarre. Oh, c'est bizarre. Oh là, pardon. Oh, j'en ai plein la main, c'est dégueulasse. Ah, je me... je crois avoir trouvé l'endroit où il fallait mettre la bombe.
Très bien. Personne n'a réagi. Oh oui, le trou. D'abord, me balader encore un peu. Grimm est convaincu qu'elles sont extrêmement intelligentes. Ces organismes semblent avoir eux-mêmes décidé de passer en mode cauchemar, singeant ainsi des films de kaiju pour adultes. Ce qui a fusionné avec ces animatroniques aurait pu opter pour une apparence plus sympathique, mais au lieu de cela, son choix s'est porté sur un aspect plus menaçant afin de prendre l'avantage sur ses proies et les terrifiant en les intimidant. Ainsi, elles ne peuvent plus s'échapper. Ça va, Toé ? Tu m'entends, Toé ? Ça bug. Monsieur, ça bug. All communications from Leia were lost. Je suis une planète. It is unable to sustain human life. Bon. Allons dans le trou. Let's go. Tu es cuit. Pardon. Tu es cuit. Cuit. Tu es cuit. Tu es cuit. Tu es cuit. Alors est-ce que ce serait pas ici qu'on trouvera... Oh. D'accord. C'est là qu'il balance les poubelles et tout ce qui est cassé. Pourquoi le jeu tu parles aussi fort d'un coup? Tu verras peut-être mon corps dans le coin si tu fouilles un peu. E7 est descendu ici. Trouve le moyen d'aller en bas. En bas, 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 en bas. On aurait dit un ascenseur, je suis pas sûr. Attention, moi j'ai une barre de chocolat. Ouf, j'ai toussé, faut que je bois. Alors, je suis pas allé là. Oh. Porte d'urgence. Je savais qu'elle me serait utile. Excellent. Hop. La porte d'urgence, c'est l'espèce d'ascenseur que j'ai cru voir. C'est ça. Yahoo. Oh oui, encore plus bas. Oh oui, encore plus bas. Oh oui, let's go. Plus bas. Oula. Ah, y a pas de dégâts de chute, c'est vrai. Ça va. Oh putain. Oh putain. Oh putain, faut descendre vite. Oh putain. Je vais me faire choper par l'ascenseur. C'est bon? Oui, bon alors les dégâts de chute, tu en avais peut-être un petit peu, désolé. Oh. Ah, j'ai un PV. Allez, on va manger un petit bout, hein. Alors, je suis pas sûr. Pas sûr que ce soit là exactement. J'ai fait une erreur. Je crois que j'ai fait une erreur. Ah non! Let's go! Ah, ma lampe torche est allumée, mais oui, bien sûr. Évidemment. Tout en bas, succès déverrouillé, tout en bas. Oh putain! Extrême danger! Le magma est dangereux! Le sol est de la lave! Il avait écrit quoi? Il te faut un sandwich? C'est un très mauvais choix d'endroit ici, E42. Tu n'as rien à faire là, tu sais. E7 m'a dit que c'est ici que vit le poulet. Charlie n'est pas aussi zen que ce que je veux dire. Ah merde! Désolé, j'ai pas lu ce qu'il disait. Profitez-en pour m'en rapporter un souvenir. Ah là, il y a un chemin. Oh, tout s'est cassé. Oh bah merde alors. C'est le cul. C'est le cul. Oh.
Paragon, turbine à vapeur non activée. Mélange de vapeur et de propane compromis. Modèle ni contenu neutralisé. Le cycle d'alimentation doit être initialisé. Vérifier la configuration des canalisations et réparer ce qui doit l'être. Le modèle doit être contenu avant d'annuler la procédure de coupure. Je n'ai rien compris. Alors moi je suis fait pour faire des burgers en fait. Tu vois? Vous voulez m'apporter... Ah, il y a du fromage. Oh putain, d'accord, je sens la blague arriver. On va stocker, hein. Si vous le voulez bien, on va commencer à stocker les aliments. C'est un peu chaud ici, hein. Y'a quoi à la télé? Une tête qui va apparaître. Là, y'a un conduit. Oh, les œufs, il faut pas les approcher, sinon ils pètent. Ok, là on a la laitue. Donc les oignons, la tomate, les cornichons, le pain. Oh putain. Oh putain. Oh putain, je comprends rien. Oh putain. Ça c'est quoi ça? Pourquoi je peux pas le prendre? Bah j'ai de la place dans mon inventaire. Oh, le steak il est... Il est étrange. J'étais encore déplacé d'une ancienne version au du niveau Burger Farm dans une ville. Ah, il était déplacé chez nous. Ça me sera utile, ça je le sens. Ça aussi. Il faudrait que je lise un petit peu ce qu'ils me disent. Faut que je trouve un truc pour crocheter les serrures. Hein. Qui peut m'assurer qu'il n'y aura pas un squelette qui va sortir hein. Non. Laisse-moi tranquille. Eh merde. Tu fais un burger au poulet. Tu mets 3 burgers au poulet dans un seau. Ça ouvre une porte fermée. Ça fait ding-dong. Le poulet, il... Voilà. Ou alors, faut mettre le poulet en cage et après appuyer sur un bouton et brûler le poulet. Donc, tu fais un burger au poulet. Tu mets 3 poulets dans la cage. Tu fais ding-dong. Le poulet vient dans la cage. Ok, très bien. Je crois. Je suis pas sûr. Oh le bordel que c'est ici. Cette salle semble servir à confiner quelque chose de gros. Ah c'est là le... Les trucs épileptiques hein. Faites gaffe hein. Ah. Donc les burgers faut les amener. Faut les amener là les burgers hein. D'accord. Donc on les amène ici et ensuite faut accéder à cette salle derrière. Et on fait tout péter, on fout le feu. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais évidemment. Mais évidemment. En vrai ça a l'air cool à faire. Ça a l'air cool mais je crains qu'on n'ait pas le temps de le faire. Étant donné qu'il est déjà minuit moins 8. Donc je me demande si je devrais pas m'arrêter là tout de suite avant de partir dans ce délire de faire les 3 burgers. Et reprendre le jeu la prochaine fois. C'est où ça? On dirait que tu as trouvé de quoi remettre le courant. Et si tu essayais? Je vais essayer quoi? Rien du tout, je vais essayer. Ça va mettre le courant, ça va faire venir l'autre là, le poulet, je le sais. Ah, attends, y'a quoi là? Les oignons. Ah, j'ai plus de place dans le sac, ça y est. Parce que je me suis dit, bah, tant qu'à y être, autant stocker
plus d'oignons, 3 oignons, 3 fromages et tout ça. Alors attends, 2 secondes. Comment on fait pour récupérer le sac? Faut que je vide tout ce que j'ai dans ma main? Non, c'est pas ça que je voulais. Bon, en vrai, ça prend de la place pour rien. Je m'en fous. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Mais on m'en demande pas. Mais j'avais pas mis un gros tube. Mystic pipe. Ah voilà, ça. Voilà, un tuyau manquant. Je sais pas si ça sera utile plus tard. Donc, je mets un oignon. Allez, j'ai stocké 3 oignons sur moi. Comme ça, on reviendra pas ici de sitôt. C'est très long comme boss, ça. C'est peut-être mieux de s'arrêter là, ça sera possiblement assez long. D'accord. Ok. Alors, on va s'arrêter là dans ce cas. Comment on me confirme que ça a bien sauvegardé? Ça, c'est ma crainte. Hein. Est-ce que je suis sûr que le jeu a sauvegardé ou pas, là? Oh, il y a un broyeur et tout. Le jeu, il sauvegarde à chaque changement de salle, à chaque chargement, tu crois? Ou alors, faut vraiment utiliser les somnifères. Ça serait très, 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 très embêtant, ça. Arrêtons-nous parce que le jeu... C'est trop compliqué à comprendre. Non, ça va, en vrai. Les sauvegardes, ça reste un mystère. On va voir ce qui se passe. Hein. Si je relance le jeu. Et je fais continuer. Si ça me remet directement ici. Ou ça, si ça me remet directement depuis chez moi. Non, ça va, ça me remet ici. Et j'ai gardé tous les objets sur moi. Donc ça a complètement sauvegardé. Donc c'est bon. Donc c'est bon, ok. Donc on continuera, on rejouera au jeu la semaine prochaine. Il y a encore pas mal de choses à faire intéressant, je pense. Et on va quitter le jeu, hop, et on va revenir comme ça. Bonjour, ça va toi? Enchanté, hop là. Hop là. Hop là. Et hop là. Et hop là. Voilà, bon, je coupe la rediff dès maintenant, au cas où il y a encore un blue screen et que la rediff soit corrompue. Salut YouTube, ciao.